Bonsoir tout le monde. Je suis Simon Camus, je suis la mairesse de Côte-des-Neiges NDG et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre conseil, votre conseil. J'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédée. Je reconnais la nation Ganagaraga comme gardienne des terres et des eaux de laquelle nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples of the within the Montreal community. And I encourage all of us to support and join our Indigenous brothers and sisters in the struggle to protect the water and lands of this earth. I would like to thank everyone watching online. It's a sign that democracy is thriving in our community. I miss being right in front of you. It's a bit odd doing this, but you know, it is what it is in these times. So I'd like us, you know, we're going to all be respectful and polite and constructive, and let's think of all those who have died or who have COVID-19. Ils ne sont pas que les chiffres, ils sont les êtres humains avec famille et proches. Alors, j'aimerais présenter mes collègues, Madame Popiano, Magda Popiano de Côte-des-Neiges. Oh, your microphone, merci. Voilà. Pratique. Bonsoir à tout le monde. Good evening, everybody. Thank you to be with us. Thanks. Et Monsieur Peter McQueen de NDG. Good evening, everybody. Thank you for coming online. Merci déjà. Monsieur Marvin Rotron de Snowden. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Et bienvenue sur cette conseil d'arrondissement sur Zoom. I welcome everybody to this Zoom session. Mr. Lionel Perez de Darlington. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Et Monsieur Christian Arsenault de Loyola. Bonsoir tout le monde. Good evening. Hope you're well. Et j'aimerais présenter Monsieur Stéphane Plante, notre directeur d'arrondissement, et je vous prie de présenter vos collègues. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement. Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Bonsoir. Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Bonsoir. Madame Sonia Gaudreau, directrice sport, loisirs, culture et développement social. Bonsoir. Et Madame Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain et du service aux entreprises. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant à 10.02, adoption de l'ordre du jour. Et moi, j'aimerais faire retirer quelques points, 40.01 jusqu'à 40.04. Et puis, j'appuie. OK, adopté. Non, Madame la mairesse. OK, Madame Popiano, je n'ai pas vu. Voilà. Madame la mairesse, Je souhaite seulement à informer tous les gens qui nous écoutent maintenant c'est quoi le contenu de ces points que vous enlevez avec tellement d'allégeance et d'insouciance, je dirais. Et rappeler aux résidences de Côte-des-Neiges NDG que l'habitation est un chantier prioritaire de l'administration Plan, puisque nous considérons que les Montréalaises et les Montréalais doivent se loger adéquatement à l'intérieur de leur budget. Que la crise actuelle du COVID-19 n'élude pas la situation stressante que vivent de nombreux locataires de Côte-des-Neiges NDG. Donc, il y a urgence d'agir pour eux et il y a urgence à cause d'une crise du logement qui est à nos portes. Ce soir, nous avions une occasion d'agir concrètement pour protéger le parc locatif à travers les 4 règlements qui étaient proposés par le service de la DOS, qui a travaillé très, très fort, qui a mis des mois pour nous présenter ce soir ces règlements. Que ces règlements, ils étaient prêts pour la première étape, celle d'avis de motion.
Une heure avant le conseil, vous nous avez annoncé et vous avez décidé de retirer ces points de l'ordre du jour. Plusieurs arrondissements centraux montréalais ont déjà adopté des modifications réglementaires qui Madame, vont dans le même sens. J'ai un point d'ordre, s'il vous plaît. Ce n'est pas Ce n'est pas le temps pour les discours. Vous avez un moment pour les mots d'ouverture. Vous pouvez parler à ce moment-là. Maintenant, on va adopter l'ordre du jour. Madame la mairesse, ce n'est pas un discours. Je souhaite appuyer, je souhaite argumenter pourquoi je souhaite qu'on garde à l'ordre du jour ces points. Ils sont extrêmement importants. Et je souhaite que vous regardiez 73% des résidents de Côte-des-Neiges qui sont des locataires et que vous enlevez ces points de l'ordre du jour. Je souhaite que vous les regardiez à travers l'écran dans les yeux et que vous expliquiez pourquoi vous faites le retrait de ces points. Parce qu'il y a quelques confusions entre les conseillères et j'aimerais être sûre sur le contenant et on va, M. Perez a suggéré d'avoir un conseil spécial pour adapter les points, pour être sûre. On va les adopter, mais j'aimerais clarifier quelque chose. Peut-être, M. Rocan? Oh, excusez-moi, M. Arsenault est devant vous. Thank you, Madam Mayor. Just a heads up to everyone before I start, I think I see a few microphones that are still on, so just so we can get through this without too much trouble. A number of people have been asking us lately that you've been showing up to council and you've been skeptical as to a lot of what some people are referring to as the drama in the borough and these issues that we're having with governance in the mayor's cabinet. And I'm going to have a point of order here. It's not time for speeches. You'll have your opening remarks and can make just like Councillor Popeanu, I'm supporting her point to keep these items on the agenda and I'm explaining why. Because I don't think that disorganization in your office should stop us from adopting these files. Now, I've spent virtually all day on the phone with our council. I've been trying to figure out a way that we can make sure that everyone's on the same page for these files. Councillors Perez and Rotron, most notably, have voiced their concerns in a professional and constructive way, and we've spent all day talking. Now, all of us have slightly different concerns. We all have slightly different questions regarding the... Exactly, Mr. Arsenault. Madam Mayor, if you'll just let me finish. I'm trying to support Mr. Popeanu's point. This is a point of point. Order, please. I don't think your point of order is valid. Speech. This is not a speech. You are proposing to amend the agenda. I am speaking on your proposed amendment. And I said that we will adopt these points at a later time. But right now, And I'm trying to argue why we should be adopting them now. Now, if you'll permit me to finish. I've spoken with Councillors Rotron, Perez, Popeanu, McQueen. Now, some of our concerns have yet to be addressed. That is... Exactly. That's why we're not going to adopt these this evening. Madam Mayor, with all due respect, I think you're demonstrating the fact that you don't understand the difference between an avis de motion and an actual resolution, a first reading versus a second or third reading. Now, we could have adopted these first readings today. In fact, it's important to do so because as of the time that an avis de motion becomes public, developers and people who want to take advantage of the existing rules know that they have a limited time to act before council adopts an avis de motion. So that's why when we present it and we make it public on Friday, it's very important for us to adopt it the Monday after at council so that we don't give people too much time to take advantage of rules that we think should be changed. Now, it's possible that some of my colleagues will have a difference of opinion about this, and that's fine. But I think after everything that's been said today in the lead up to this council, we could have adopted the first readings, we could have kept the agenda, and we should keep the agenda the way it was sent out, the way it was publicized, and the way we were informed so that we can adopt these avis de motions
and then take the time that's necessary to continue responding to counselors' questions and concerns, legitimate questions and concerns that do not have to all be answered in order for us to adopt a first reading. It doesn't have to be pulled from the agenda. We can still get this done properly while passing the avis de motion to put a freeze on certain kinds of permit requests. Permit requests that these regulatory changes explicitly recognize as being things we no longer want to have or that we want to concentrate in certain areas. These are good changes that are being proposed. And our urban planning department and Madame Bédard's team has worked very hard on these for months. But what we've seen over the past week and a half has been basically what we've been saying in council for the past 3 months is that there's been a lack of communication. We were not allowed, once again, we couldn't have our preparatory meeting because the mayor insisted on imposing her chief of staff's presence on the civil servants. As a result, there's been poor communication and some questions that could have been answered today or before today have not been answered. But again, this is a first reading. And while it would have been ideal to have them answered, we can still proceed and get this done before the 1st of July and prevent abusive developers and landlords from trying to take advantage of this pause, this extended period of time, now that we've shown our hands and we're basically declaring for the whole world, this is what we're going to do. Okay, Mr. Roach, you have something to say. It could have been done more effectively. Mr. Roach has the floor now. That's why I'm supporting Mrs. Popeanu's call to defeat this amendment and keep these files on the agenda. Thank you, Madam Montgomery. First of all, I'd like to thank Councillor Arsenault for his kind words towards Mr. Perez and myself. And I do share some of his thoughts. Generally speaking, when we have a major bylaw that changes the rules in a significant way, we don't try to withdraw it. And there is admittedly some risk that some people may seek permits, which they would be legally able to get if we take at least one of these items off the agenda. But the risk is very small, particularly since everybody's committing to continuing to work together, all six of us, plus with the services, with the view of organizing a special council meeting. Now, I want to clarify for the public watching us tonight that we had already agreed that one of these four items would be taken off and would not come back. Another item is not urgent that we adopt tonight. It is to look at the decree that Quebec has put on the table in terms of how to relate with the public during the COVID-19 crisis, because we can't meet in public. Although I know that the National Assembly will be coming back on May 13th, and I don't know what rule changes they'll want to make that may affect us. But however, let's say for the conceivable future, we have to have a different way to work. And we all agreed that what Quebec wants us to do is a minimum. We're going to improve that. So we can take that off because it's not urgent. But there are two other items, one of which is an omnibus. And I was prepared to go along with Mr. Arsenault until I discovered an hour before the meeting that one of the items I was assured would not apply somehow is snuck back in there and made me wonder what else is in there. So I think Ms. Montgomery is absolutely right. Councillors have questions. They have the right to have answers to their questions. I saw the written document by the Aménagement Urbain Service Entreprise towards Mr. Perez's questions that he sent in. Most of them can give no answers tonight. I think it would be wise to continue our reflection on a matter as important as housing, knowing that for the most part, on most of the items, we have consensus and we will continue that census. I'll end my speech by saying, I warn some colleagues, omnibuses are not good ideas. If you're opposed to one area of it, your only way of doing it is fighting the whole bylaw or bill. If it had been split up in three or four, we probably would have adopted most of them, or at least heard the avis motion this evening. So I will be voting for Mayor Montgomery's amendment. I would like to say something, Mayor Montgomery. Sure, go ahead. Can you guarantee us that we can actually have a meeting with the services
they will not be disrupted by your insistence on including your chief of staff so that we can get to the bottom of some of these issues and that this meeting can happen before we have the special council meeting? Sure. Okay. But that goes against my my lawyer's advice, but... Madame la mairesse, j'ai un autre point, s'il vous plaît. I think Mr. Perez has something to say. No? Pardon. Oui, merci Madame la mairesse. Je vais être très bref. Je réitère les commentaires de Monsieur Retran. Je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La seule chose que je dirais, c'est que le risque est très petit, premièrement. Et deuxièmement, je vous soumettrai qu'en faisant vos points, qui est votre droit prérogatif, vous avez apporté plus d'attention à ce risque qui aurait pu être amené auparavant. Mais c'est votre droit, je le comprends à cet égard-là. Je pense que moi, j'étais sous l'impression que certaines choses avaient été exclues. J'ai appris à 2 heures comme quoi c'était inclus. J'ai eu beaucoup de réponses à mes nombreuses questions. Il y en a certaines qui sont satisfaisantes, il y en a d'autres où j'ai encore plus de questions. Le problème avec l'avis de motion, si on l'adopte ce soir, c'est que oui, ça peut être toujours... Ça toujours peut être changé, mais comme a dit M. Retran et M. McQueen, il y a des éléments sur lesquels on est d'accord, sur d'autres éléments on est en désaccord, on ne sait pas qu'est-ce qui va être véritablement proposé. Alors, c'est une façon plus réfléchie, c'est à éviter, je suis d'accord avec tout le monde, mais je pense que si on peut avoir une rencontre rapidement, avoir un conseil spécial, on va éliminer le risque dont vous soulevez, parce que nous savons tous qu'en ce moment, il est très difficile de préparer un dossier, peu importe quel qu'il soit, pour avoir un tel permis. Donc, je vais appuyer la proposition de retirer ces items. Merci. Madame la mairesse, je souhaite aussi apporter un point, s'il vous plaît. Oui. Le problème, bon, je comprends les questionnements de mes collègues. On aurait pu avoir des réponses lors d'un caucus normal et on avait une semaine, en réalité 10 jours pour préparer le conseil. Mais mon problème, c'est que l'ordre du jour et la portée des avis de motion est devenue publique vendredi, le moment où vous les avez publiés sur Internet. Vous savez très bien, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, que si... on a rendu public nos intentions. Tout promoteur ou toute personne peut déposer des permis entre le moment où nous, on avait annoncé nos intentions et puis on a annoncé nos couleurs, où on s'en va, et votre réunion spéciale que vous souhaitez mettre en place. Donc, je veux attirer seulement attention à mes 3 collègues qui semblent vouloir reporter les avis de motion, que vous seriez responsable de tout permis ou de toute demande qui sera faite de rénoviction dans cette période. Prise de parole, Madame la mairesse, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique, Madame Popiano, sur ce que vous venez de dire, comme quoi certains ont l'odieux de pouvoir effectivement faire en sorte que si oui, il y a des demandes de permis. On est là, on a le droit de voter comme on veut, Madame Popiano, et ce n'est pas parce qu'on vote d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a toute une historique à pourquoi on vote comme on vote sur ces enjeux-là. Alors, moi, je pense qu'au contraire, la façon que vous-même et votre collègue, M. Arsenault, ont attiré tellement d'attention sur cet enjeu-là, ben, c'est vous qui portez l'odieux d'avoir apporté tellement le risque, d'avoir apporté tellement d'attention sur cet enjeu-là. Maintenant, je ne vais pas faire de politique là-dessus. Moi, je vais dire, travaillons ensemble pour justement avoir cette rencontre le plus rapidement possible, éclaircissons les points d'interrogation et ensuite, on pourra ramener les dossiers. S'il y a certains à changer, ils seront changés. Sinon, on votera selon notre volonté. Je vous remercie. Point d'ordre, Madame la mairesse. Je n'ai pas prononcé le mot odieux. Au contraire, j'ai dit, on va travailler ensemble. Vous savez aussi bien que moi qu'on n'a pas eu les conditions de travailler ensemble, que nous n'avons pas eu le caucus auquel on avait droit. Et je continue à croire que si on ne met pas les avis de motion ce soir,
vous serez responsable des rénovictions qui vont avoir lieu jusqu'à ce que... Madame Copier, j'appelle au vote, s'il vous plaît. Qui est... Oui. Alors, Madame Reeves, c'est M. Vautrin, M. Perez et moi-même qui sont pour retirer. Ah. Et M. Arsenault, Madame Popiano et M. McQueen. Je vote contre. Contre. Je vote contre. Donc, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité. Merci. Alors, on passe maintenant à 10.03. Oui, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenu le 6 avril à 19 h, ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 avril et du 24 avril. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Oh, excusez-moi, Monsieur Perez, avez-vous quelque chose? Oui, alors okay. J'ai vu... J'ai pas vu ça. Pas de problème. Merci, Madame la mairesse. Moi, ce que je demanderais, s'il vous plaît, c'est que dans un contexte où on travaille dans une situation nouvelle, avec un conseil virtuel, on doit s'adapter, évidemment. Et moi, ce que je demanderais, c'est que, vu qu'on n'a pas la période de questions habituelle, traditionnelle, si on peut tout simplement déposer ou ajouter au procès-verbal toutes les questions qui avaient été envoyé par tous nos citoyens. C'est quelque chose qui avait été proposé au conseil de ville. Ça a été adopté à ce moment-là. Je pense que dans un contexte de au moins encourager un peu la démocratie locale et donner un peu d'importance à cela, ça serait opportun. Alors, voilà ma proposition. OK. Oui, je suis cette proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ce que je peux proposer... Oui. Je peux indiquer que les questions vont être déposées en annexe du procès-verbal pour ne pas alourdir le procès-verbal, si vous êtes d'accord avec ça. Parfait. Merci. Alors, on passe maintenant à 10.04, période de commentaires et de maires et des conseillères. Madame Reeves, est-ce que vous allez… OK, alors moi, j'ai mon stopwatch, alors… Oui, c'est 5 minutes, par oui, conseiller. C'est... J'ai mon, oui. OK, d'accord. J'ai mon chronomètre. OK. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme la dernière fois, nous rencontrons virtuellement. Nous devons nous tous pratiquer isolement social, laver les mains, rester chez nous. I know that it's not easy. It's really starting to wear on people now that the weather is getting better. And we just are all itching to get outside, not only because of being confined because of COVID, but also after a long winter. You know, spring is always the, you know, our liberation in Montreal. But I'm asking everybody still to respect the 2 meter distance, to only do essential outings, to wear a mask if you go out. And, you know, our day-to-day lives are very challenging, I know that. But there is some good news. The community gardens open today. They will be run a bit differently. You have to make an appointment to go or so that you're not all there at the same time, but at least, the green thumbs among us can get back to gardening. And businesses that have a street level entrance that are not in a mall, we will be able to open, which is also very good news. I know the businesses have been struggling incredibly through this, and you know, it's been very stressful. And we've also had, you know, our pedestrian corridors on Monkland, Côte de Neige, Queen Mary, and more to come have been very popular. So I'm glad to see people getting out and walking in those areas and giving themselves the 2 meter distance. So we have more set up or that are coming, Sherbrooke Street, Victoria, and Van Horn. So most of the commercial arteries will have this.
Now, in terms of the SPVM info session, tomorrow evening, the SPVM will be holding an online information session about the mergers of Station 11 and 9. This is not what the people of NDG wanted. They asked for full consultation, and this is what they deserve, is full consultation. We don't need to be told this merger is a fait accompli. We want to have a say in this decision, and we'd like to have data on which this decision was made. And this crisis of COVID-19 has driven home why it's so important to have a local police station. The local police get to know the vulnerable communities, such as the mentally ill, the homeless, the elderly, people who are living in isolation, and the police therefore can sort of keep an eye out for such vulnerable people in times like this. Alors, la décision de fermer le poste 11 était prise sans consultation publique. Et on demande de consultation, pas une séance info comme demain soir. Le 23 mars, Madame Pilato, la responsable de la sécurité publique, nous a promis que les résidents et résidentes de NDG n'auront pas à se contenter seulement d'une présentation PowerPoint. C'est exactement ce que nous avons reçu. Pire, ce PowerPoint ne contient aucune donnée. Une séance d'information, ce n'est pas une consultation. Nous avons besoin de consultation publique. So while I invite you to tune in to the online information session, I encourage you to have your voice heard by signing the NDG Community Council's petition and asking your councillors, Peter McQueen and Christian Arsenault, why they are not acting in your best interest rather than simply stepping in line with Projet Montréal decisions that are being taken downtown without any consideration of residents here. And tonight, on va voter sur un fonds d'urgence aux entreprises. En avril, l'arrondissement a créé un fonds d'urgence local de développement économique qui a pour but de soutenir financièrement les organisations et associations qui viennent en aide aux commerces et entreprises de l'arrondissement. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que nous allouons une somme de 40 000 $ au SDC Côte-des-Neiges et l'Association des gens d'affaires d'NDG, Biz NDG, afin de leur donner des outils nécessaires pour soutenir les commerces et les entreprises et de les accompagner autant durant la période de confinement que lors de la relance. Et I would just like to wish all the mothers Happy Mother's Day on Sunday. It will be different, of course, than other Mother's Day, but maybe you can at least get breakfast in bed. Thank you very much. And now it, Monsieur McQueen, c'est à vous. Good evening, everybody. Bonsoir. First of all, I'd like to correct something the mayor said. Shame on you, Mayor Montgomery. Linking the police station with COVID-19 is completely false. Whatever opinion you have on the police station, fine. But the fact is, as soon as COVID-19 started, all the police stations in Montreal closed their public offices because the police have, of course, a lot of responsibility right now, a lot of things to do. And also, what your comments make it sound like a whole bunch of other groups in our society are not helping to take care of the homeless, the marginal. Many other people are working hard right now. Groups we support, like NDG Community Council, Prévention Côte-des-Neiges NDG, Head in Hands, who are linking out to those people and doing the hard work of linking with those people. So the police have serious legal responsibilities. They closed all their stations as soon as COVID-19 started. And our mayoress is talking out of the top of her hat. Okay, and now my regularly scheduled speech. Alors, écoutez, les travaux que j'ai faits pour vous, les résidents, durant cette période, concernent bien sûr les corridors sanitaires. Alors, avec nos services, on a pu créer le corridor sanitaire sur Monklin, mais aussi maintenant sur Sherbrooke. On a fait Wilson, ça fait quelques semaines,
Et maintenant, on fait l'est de NDG au complet entre Descarrie et la frontière de Westmount où les résidents ont demandé un corridor sanitaire. So, we're making progress where it's needed, where there's drug stores, where there's grocery stores, and where the residents are asking for it. Now, what we're still pushing on, I'm pushing our services very hard and our mayor to get the street marking done as soon as possible. It's clear, and it's been in several media, that given the lack of traffic, some idiots, some irresponsible people, impatient people, are driving faster than usual. Completely unacceptable in this situation where many people are walking, sometimes having to walk on the streets to avoid other pedestrians, and biking in the streets of NDG. So this makes it more important than ever that we get the street marking done as soon as possible. Alors, une grande demande à nos services, s'il vous plaît. Le marquage des rues, des pistes cyclables et des les traverses piétons le plus vite possible. The next thing, of course, is we would like a bike path improvement, if possible, in NDG along Terrebonne. C'est clair qu'on a quelqu'un qui pose des questions sur ça ce soir. Pour très bonne raison, c'est un grand trou dans le réseau des pistes cyclables à Notre-Dame-de-Grâce. Et maintenant, c'est le temps de le faire. Nous avons une opportunité avec le fait qu'il y a moins de trafic, que les gens comprennent qu'on a besoin de plus d'espace pour les cyclistes et les piétons pour faire une piste cyclable sur Terrebonne. Finally, another detail too, Monkland, I want a stop sign at Hingston and Monkland. We've asked our services a year ago, please, Madam Mayor, let's get it done. There's already a crosswalk there that's not respected. There's a bus stop there. We need a full stop sign. Finally, on a more positive note, again, thanking groups in our community and our services, the dépôt alimentaire, the food depot, is now operating out of Doug Harvey Arena. So thank you to them and all their volunteers. Et merci beaucoup à nos services pour avoir mis l'arena à leur disposition. Finally, I just want to draw attention to one decision that was made downtown by Mayoress Plante, is to open the community gardens. I know it's very popular. A lot of people had written me about it. So please get out there and enjoy your gardens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Perez. Merci, Madame la mairesse. Évidemment, j'aimerais commencer par avoir une petite pensée pour tous les victimes de COVID-19 depuis le dernier conseil. Les chiffres, malheureusement, augmentent à travers le Québec, mais notamment à Montréal. Une pensée et un remerciement pour tout le travail du réseau de santé qui se démène pour justement faire l'incroyable travail, le difficile travail dans des circonstances exceptionnelles. Un remerciement à tous nos services également de l'arrondissement et à travers la ville pour leur travail. Ce ne sont pas des situations faciles ou évidentes. Et puis, on sait à quel point que le travail qui est fait par tout le monde est un travail nécessaire. Vous êtes en ombrage très souvent et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le bien de la collectivité qui ne sont pas nécessairement annoncées, mais sachez que vous avez nos remerciements. Je suis, comme tout le monde, je pense, préoccupé par les niveaux d'avancement de nombre de cas de COVID-19, des infections ainsi que de décès à travers le Québec, mais à Montréal. On nous avait expliqué depuis une dizaine de jours que le pic serait environ vers la fin avril. On avait dit du 25 au 28 avril. Et puis, on nous avait rassuré comme quoi il y avait effectivement des chiffres qui allaient dans ce sens-là, des indicateurs, des certaines variables, le nombre de personnes en soins intensifs, le nombre de personnes qui sont sorties de l'hôpital. Vendredi dernier, le docteur Arruda, en conférence de presse avec le Premier ministre, a annoncé comme quoi beaucoup des décès déclarés ne sont pas nécessairement des dernières 24 heures, bien qu'ils sont déclarés à une certaine date. Ils peuvent dater de plusieurs jours, voire même des semaines. Donc, il ne faut pas nécessairement être
trop préoccupés. Évidemment, aujourd'hui, avec la décision du gouvernement du Québec, du premier ministre, comme quoi le déconfinement à Montréal va être retardé d'une semaine, du 11 au 18 mai. Je pense que c'est une bonne décision, mais je pense que ça démontre à quel point qu'il y a une volatilité de la situation. La semaine passée, on a pu apprendre qu'il y a eu également d'autres points chauds à travers l'île, dans différents arrondissements, notamment dans l'Est. Et je pense que ça démontre à quel point qu'il faut être prudent. On était dans une certaine mode la semaine passée avec la DSP, la DRSP de Montréal. On essaie d'avoir plus de chiffres. Je pense que ça va être intéressant de voir exactement quand est-ce qu'on pourra avoir encore plus de chiffres, hormis les chiffres par arrondissement. Mais peut-être qu'on parle de cette courbe corrigée ou actualisée pour qu'on puisse voir le véritable nombre. Ça peut tout simplement rassurer la population. Mon prochain point, c'est dans ce contexte-là où on aura un déconfinement. Nous, on a fait une sortie demandant à ce que la STM exige le port de couvre-visage qui le fasse de façon obligatoire, justement en vue de ce déconfinement. C'est une pratique qui est devenue monnaie courante à travers différentes villes, différents pays. C'est une mesure qui n'est pas garantie, mais qui s'ajoute. Elle est maintenant fortement recommandée par la DRSP ainsi que la DSP de Québec. Lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation physique de 2 mètres, il est recommandé même dans un domaine public. Or, ceux qui utilisent l'autobus ou bien le métro savent que c'est très difficile, voire impossible. J'ai entendu la préoccupation de Mme la mairesse. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a effectivement des capacités. On ne parle pas d'acheter des masques, mais d'avoir un couvre-visage. Ça peut être un torchon, ça peut être un habit, ça peut être un foulard, ça peut être des bandanas, ça peut être différentes façons de voir le faire. Et je pense que pour la population itinérante vulnérable, la mairesse a dit qu'elle est prête à distribuer 50 000 masques. Il y a des masques qui ont été distribués dans d'autres arrondissements à cause d'une pique particulière, donc d'une éclosion. Je pense qu'il y a des solutions. Et si on veut justement espérer que le monde va revenir au transport en commun, il faut les rassurer. Il faut les rassurer en disant qu'on a des lignes directrices claires. On ne peut pas seulement faire des recommandations. Il faut la rendre obligatoire. Je pense que c'est pour le bien des Montréalais, pour le bien de la STM. Et ça va au contraire pouvoir atténuer le risque d'une deuxième vague. Je vais terminer pour tout simplement dire que je suis préoccupé également par la session d'information pour le PDQ-11. Oui, on est en COVID-19, c'est une réalité, on n'a pas le droit d'avoir des consultations, on ne peut pas en avoir en ce moment, mais je pense que c'est une raison de plus de considérer à justement avoir ce moratoire, laisser le temps de la population de s'exprimer en temps et lieu de façon convenable. Je vous remercie, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Monsieur Osnon. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. I hope you're keeping well and that you and your families are safe and sane. Let's not forget the second big important S in this time. Mental health is just as important at this time, especially now that we've been in confinement for a few weeks. And so I hope you're finding opportunities to get outside. I hope that you're able to enjoy some of the sunny weather this weekend. It does us all some good. Some more good news on the COVID front, believe it or not. Last week, the borough of Côte-des-Neiges-Indigie was able to make Doug Harvey Arena available to the depot so that they could expand and improve their emergency food basket operations. And so they'll be working out of there now, and it should help them to serve the large and growing need in the community for food support. Alors, un gros merci au service de l'arrondissement d'avoir aidé le dépôt alimentaire de l'IDG à augmenter ses opérations. Il y a un besoin, on le sait, et comme depuis le début, on apprécie énormément la collaboration entre nos fonctionnaires de l'arrondissement et les travailleurs et bénévoles des organismes du quartier. There is some other good news coming for Loyola. A few small things that are happening in the district that will be approved today specifically, and hopefully to come in the coming days. We have the Loyola round of
the lead, pardon me, the lead pipe replacements and old pipe replacements that should be done. It's one of our files tonight, a hefty file of about $5 million. I did have the list in front of me, and I was going to give some good news to residents of several streets in the district, and then my my application reset and it's gone. So instead of going digging around for it now, I can say that you'll be more than welcome to either see my post online, which will be detailing the streets once we've approved the file, or you can write to me or contact the borough, and we'll be more than happy to provide you with that information. But we do have the better part of half a dozen or a dozen streets that will be dug up to replace the pipes. So it's long overdue. And again, a big thank you to our Public Works Department for keeping that moving, despite all the challenges that we have working from a distance and with all the other technical challenges. Another small bit of good news for parents, pour les parents des enfants, non seulement de la nouvelle école Sainte-Catherine de Sienne, mais aussi de l'annexe Willingdon. On ajoute un passage piéton à l'intersection de Summerled et Saint Ignatius, juste devant le parc Loyola et la nouvelle école. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ayant entendu les plaintes des résidents et parents qui observent des vitesses dangereuses d'auto, des comportements dangereux aussi, je m'attends à ce qu'on va devoir bonifier ces aménagements-là. Personnellement, je pense que ça va probablement finir par prendre un arrêt, peut-être même avec des saillies de trottoir, afin de réduire la traverse, la distance pour les enfants. Et pas juste les enfants, hein. C'est de plus en plus achalandé, surtout ces jours-ci, mais avec la nouvelle Sainte-Catherine-de-Sienne et le nouvel annexe Willingdon, il y a beaucoup d'achalandage et c'était déjà un problème. Alors, we're keeping a close eye on that. You know, my dad still lives right down the street, so it's one of the best walks for me to do in the neighborhood. And so I'm going to be keeping my eyes peeled, especially when school eventually starts back up, to see how that's going with the new arrangement. Parlant encore des piétons, nous avons déjà mis en place des corridors sanitaires à travers l'arrondissement et on vise bientôt aussi faire l'avenue Summerled entre Walkley et Borden. Ça va faire du bien. Summerled, ce tronçon commercial, agit un peu comme notre village pour beaucoup des résidents du quartier. Vous savez bien que je suis un grand fan de Summerled et je veux qu'on l'améliore. Je pense que ceci représente une occasion en or de reprendre un peu plus de cette chaussée très, très large qu'on n'a pas besoin d'avoir comme ça et faire un peu d'expérimentation avec en temps de COVID. Will we be able to do all the things that we would like to eventually? No, it's going to be a little more straightforward, a little more basic, but I think it might help us just realize the extent to which there's so much space that we can reclaim, and we'll be able to use this opportunity to imagine what we can do after and lay the groundwork for improvements in the future. And so I welcome your thoughts on that, and I hope to be able to work with you to develop those ideas for the future over the next several months. Merci. Merci, Monsieur Vautrin. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Can you hear me? Okay. Premièrement, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui sont ralliés au groupe communautaire les dernières quelques semaines. Le 20 avril dernier, l'arrondissement a voté $200,000 pour la sécurité alimentaire. Et il y a toutes sortes de personnes qui font la livraison des repas chauds aux personnes isolées dans l'arrondissement. Et j'aimerais aussi reconnaître les bénévoles des comités des locataires de tous les HLM dans Côte-de-Neige et à Snowden, qui travaillent étroitement avec Multicaf et les banques alimentaires pour redistribuer les repas chauds aux personnes en besoin dans les HLM. This week is actually a significant week for many residents of our borough. May 8th represents the 75th anniversary of Victory in Europe Day, the end of World War II in Europe. There are still
survivors of veterans of various allied armies who live in our territory. And I want to thank them for their sacrifice on our behalf and for the work that they have done to defend democracy and work for a world where people have the right to express their opinions and to live freely. Pour les citoyens de Snowden, j'aimerais vous informer que les élus ont rencontré le STM dernièrement sur une proposition pour l'installation d'une voie réservée sur Queen Mary entre McDonald et Crescent Cedar. C'est néanmoins la même proposition qu'en 2017 que le STM a faite, mais a laissé à côté avec quelques légers ajustements. Le STM dit maintenant que de changer le panneau à Earnscliff et Queen Mary pour permettre les gens à tourner sur Earnscliff pendant les heures de pointe, c'est facultatif, c'est une décision de l'arrondissement. L'STM également dit que de changer les panneaux pour le stationnement sur les rues transversales à 30 minutes, c'est facultatif, c'est à l'arrondissement à décider. Les élus ont soulevé des importantes questions comme la sécurité des piétons, surtout proche de la station métro Snowden, les mesures de mitigation pour assurer qu'il y a des endroits pour stationner pour les clients des marchands de Queen Mary qui viennent par voiture. J'aimerais juste indiquer aux gens qui nous regardent ce soir qu'il y a des mandats donnés à nos services. On va travailler avec le STM pour répondre aux questions et en temps et lieu, la proposition va être soumise au public pour vous commenter. A couple of other things. Today, I submitted a motion to council for May 25th. We live in the era of COVID-19. There will probably be a second wave, and it may be with us for a long time. We don't know if there's going to be a vaccine or when. I'm urging the city to ask for legislative changes that will allow voting by mail by those who want to do this. It doesn't exist now in Montreal or in Quebec, but it's something that's normal in the United States. And I've asked that the Commission de la Présidence be mandated to look at how we could do this to accommodate those who will not want to go physically to a voting station, but who do want to vote in another manner. Like my colleagues, Montgomery and Perez, I too question the information session on the merger of NDG's police station with Station 9 in Côte Saint-Luc. This info session is not at all what I heard at the April 20th City Council meeting, which would be for a credible session and for a serious examination of other options that might leave some local police presence in NDG. I want to say that no one's actually been invited to this session. I was astounded to get an email from the city administration saying, well, it's on the police website. No, we're not inviting anybody else. But the councillors should do the invitations themselves. It's not our responsibility, and though we put it on our social media, there's 120,000 people who live in the communities involved, and very few of them know about this meeting. And even worse, originally the document was in French only. There are three officially bilingual communities and a neighborhood, ours, which is largely English-speaking. I don't think this is the end of the process. We'll hear what they have to say. The document doesn't give much in the way of justifications, but I would urge those who feel that they haven't had a proper say after this evening to continue working. Finally, in closing, I'd like to say I think it's premature for Quebec to open up. We all heard what Dr. Arruda said today, and I question, you know, efforts to open our schools, open our stores, and bring people out on our streets. Be careful. This virus is extremely contagious, and it is extremely deadly. Thank you very much. Merci, Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, mes premières pensées vont aux familles qui ont perdu un proche, souvent dans des conditions terribles, sans pouvoir leur dire le dernier au revoir. Donc, des conditions très, très éprouvantes, très, très douloureuses. Par contre, la situation qui se stabilise, mais elle ne s'améliore pas, si je pourrais le dire. Mais en arrière de tout ça, même dans ces conditions extrêmement éprouvantes, il y a plein de nos concitoyens, des personnes qui travaillent d'arrache-pied. Donc, mes pensées vont vers eux. Donc, mon mot, ça va être de remercier tout le monde. Donc, de remercier en premier lieu les groupes socio-communautaires qui sont sur le terrain, qui
essaie de répondre le plus largement possible à tous les besoins, à toutes les demandes des résidents. Je reçois beaucoup de leurs communications, puis je les vois courir en sécurité alimentaire afin d'assurer à tout le monde de pouvoir manger. Ils se bataillent pour la défense des droits et logements. Les déménagements s'en viennent. Ça va être une période très difficile. Ces gens sont sur le terrain. Je remercie la CDC de Côte des Neiges d'avoir mis en place un camion porte-voix qui porte les messages très importants pour les résidents, de tenir à jour une liste maîtresse des services en Côte des Neiges. Les gens doivent être informés. Il faut qu'on les informe. Ils sont allés même chercher une solution afin de brancher les familles à faible revenu à l'Internet pour seulement 10 dollars avec un programme fédéral. Mes remerciements vont aussi à tous les employés des hôpitaux qui sont sur notre territoire, que ce soit Saint-Justine, Saint-Mary, l'hôpital général juif, le CUSUM. Mes remerciements vont aussi aux employés de l'arrondissement. Je vous garantis qu'ils travaillent très fort. Seulement les avis de motion que vous avez entendu parler, qu'on s'est chamaillé au-dessus, c'est du travail des mois et des mois, dans des conditions chez eux, n'ayant pas accès souvent à tous les outils. Ils travaillent très fort. Ils travaillent très fort aussi pour maintenir une atmosphère de santé psychologique. Donc, je les félicite pour leur action qui s'appelle Actimo, donc un café virtuel en Côte des Neiges, une fois par semaine, où les employés se donnent un rendez-vous virtuel et ils s'encouragent. C'est difficile pour tout le monde, vous savez. Je remercie aussi les efforts de la ville. Le plan de redressement sont des moments difficiles. Il y a des pertes de revenus, il y a des dépenses qui sont extraordinaires. On demande un effort à tout le monde. Je crois que c'est vraiment le moment de ne pas faire de la petite politique, de faire de la bonne politique, à comprendre que tout le monde a le cœur à la bonne place et que tout le monde veut qu'on sorte collectivement de la situation. En développement économique, il y a de très, très bonnes nouvelles. Le comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale a mis en place, avec le soutien bien sûr de la ville, des actions en matière de gestion des ressources humaines et de transformation organisationnelle dans les OBNL et les coopératives qui s'activent en économie sociale, puisque 17% de ces compagnies en économie sociale interviennent, c'est vrai, dans le secteur de la culture, du tourisme, des loisirs qui est fortement ébranlé, mais aussi 25% sont dans le domaine de services à la personne, de l'aide domestique et des services de garde. Cette aide est extrêmement importante. Je tiens à assurer tous les résidents de Côte des Neiges et Indigé que les services de la ville-centre, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, entre autres, a pris l'initiative de traduire les fiches qui sont produites quotidiennement par le gouvernement du Québec en 7 langues. Et sont les employés de la ville qui les traduisent jour après jour, en arabe, en créole et en espagnol, en gujarati, en hindi, en persan et en mandarin. Que la ville travaille très, très fort pour réouvrir, pas seulement les marchés publics et les jardins communautaires, mais ouvrir aussi nos installations, que les citoyens affectionnent, les bibliothèques, les maisons de la culture, les centres communautaires. Bien sûr qu'on pense à ouvrir en premier les BAM, les bureaux d'accès Montréal. Nous avons besoin d'être informés, de déposer des plaintes, de demander des permis. Les camps de jour, les plateaux sportifs, les parcs à chiens, mais tout ça, ça va faire graduellement, tout en respectant les consignes de la DRSP. C'est très important. On va patienter, on va bien se préparer. On craint aussi des chaleurs le mois de juillet. Hein. Beaucoup de nos activités peut-être ne vont pas être ouvertes. Les ouvertures des piscines, comment on va passer à travers la canicule. Je tiens à vous assurer que tout le monde travaille fort. Et mon mot final, c'est de remercier, oui, de remercier tout ce monde et de rappeler que le couvre-visage n'est pas obligatoire, mais il est fortement, fortement conseillé. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Alors, on passe maintenant à point 10.05, période de questions et demandes publiques. Madame Witt, est-ce que vous allez lire les règles? Oui. J'aimerais, dans un premier temps, déposer des questions écrites des citoyens qui n'ont pas été posées aux élus lors de la période de questions et de demandes du public à la séance du Conseil du 6 avril dernier en raison d'un problème informatique et les réponses qui leur ont été fournies par Madame la mairesse. Madame la mairesse? Oui. Donc, nous avons reçu la réponse aux questions. Ça nous a complètement ébranlés, puisque ce sont des réponses à votre nom. Moi, j'avais compris qu'on fait des réponses au nom du conseil d'arrondissement, pas à votre nom personnel. Je pense que c'était une erreur. Alors, il y a un courriel qui a été envoyé aux résidents en expliquant que en disant que les réponses viennent de moi et pas le conseil. Madame la mairesse, mais je considère que même si les réponses viennent de vous, c'est une question de bon fonctionnement que les citoyennes aient les bonnes réponses et des réponses éclairées, des réponses qui sont... parce que tout ce que vous avez fait dans vos réponses va contre ce qui se passe en réalité. Je me demande, est-ce que vous voulez vraiment les déposer, ces réponses, ou je ne comprends pas exactement? Mais je réponds aux questions des citoyens comme toujours, alors ce n'est pas une différence. OK, on va passer maintenant aux questions de public. Oui. La période est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou de donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire en ligne qui est prévu à cette fin entre le 1er mai à compter de midi jusqu'à midi le 4 mai. Les formulaires qui nous ont été acheminés à l'extérieur de cette plage n'ont pas été pris en considération. 23 personnes nous ont soumis des questions et des commentaires. Nous avons remis aux élus et au directeur la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort, tirage qui a été fait par le personnel de la division du greffe en respectant l'alternance homme-femme. Un maximum de 3 questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions si le temps le permet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on va faire comme la dernière fois. Je vais lire les questions en français et okay. Je vais vous laisser le soin de lire les questions qui sont écrites en anglais. D'accord. La première question, c'est Romy Tieno. Est-ce que vous voulez que je répète les règles en anglais ou? Oui, s'il okay. vous plaît. Désolée. Non, ça va. Alors. So for this new format that we're having, that the public can't be here in person, you have to fill out the form online between Friday and noon today. And we received 23 questions and we did a draw like we normally do. And then we'll alternate men and women for the questions. And 3 questions are allowed on each topic. If we have time, the extra questions on a certain topic will go to the end of the line and we'll get to those when there's time left over. And I think there should be tonight since we only have 23 questions. So Madame Reeves will read the questions in French and I will read the ones in English. So Madame Reeves. Oui, la première question, c'est de Romy Tieno. Bonjour, je m'appelle Romy Tieno et j'ai 9 ans. Je trouve le confinement difficile et j'aimerais me changer les idées en faisant du vélo pendant que mes parents travaillent. En plus, c'est bon pour la distanciation sociale. J'aurais besoin de pistes cyclables protégées pour être en sécurité. J'aimerais pouvoir aller au parc, à mon école L'Étoile filante et chez mes amis après la pandémie. Avez-vous des projets de pistes cyclables protégées pour bientôt? Merci. Oui, merci Romy pour cette question. Moi aussi, je suis tannée de confinement et j'aime faire le vélo aussi.
Alors, je suis d'accord pour les pistes cyclables protégées. Par contre, on utilise les bollards maintenant pour faire les corridors piétons, mais on doit essayer de faire la même chose pour les pistes cyclables pour les enfants. Et peut-être on peut faire la même chose que d'ailleurs dans les autres arrondissements où ils ont fermé les rues résidentielles pour que les enfants puissent jouer dans la rue. Mais on doit le discuter parce qu'on veut que tout le monde soit, peut jouer en sécurité et garder les 2 mètres entre eux. Mais je suis d'accord avec, avec vous, Romy. C'est très important de prendre le vélo et de changer des idées. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, Madame la mairesse, j'aimerais ajouter, parce que les poils filantes, c'est dans mon district. Alors, merci beaucoup pour votre question. C'est toujours intéressant quand on voit les jeunes poser des questions. Alors, oui, comme j'ai dit dans mes remarques d'ouverture, je suis très intéressé à créer une piste cyclable sur Terrebonne pour l'Est-Ouest dans cette partie de NDG. Pour le Nord-Sud, je crois, comme la mairesse a dit, si on ne peut pas prendre Grand, il faut avoir des rues partagées où le trafic, les autos vont beaucoup plus lentement et respectent les cyclistes. Alors, merci beaucoup pour votre question. Merci. Merci, Romy. La prochaine question, c'est de Madame. Oui, allez-y, excusez-moi. Madame Hélène Martel. Bonjour, Madame Montgomery. Je suis résidente de NDG depuis plus de 30 ans et retraitée de l'administration publique québécoise. J'ai suivi avec un intérêt certain la situation se tenant au sein de votre bureau dans les derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir que bon nombre de citoyens ont perdu confiance envers leurs élus, les fonctionnaires et les institutions publiques. Mon analyse de la situation m'amène à considérer que vous avez contribué à cette perte de confiance en continuant de ternir la réputation de notre arrondissement, déjà bien fragile, et en envenimant les relations de travail déjà bien complexes entre les élus et fonctionnaires, et ce, dans un moment critique de notre histoire. J'aimerais savoir, quel est votre plan pour redresser la situation des relations de travail et de la réputation de notre arrondissement d'ici la fin de votre mandat pour assurer les services aux citoyens adéquats et un environnement de travail sain à vos collègues élus et fonctionnaires? Merci beaucoup, Madame Martel, de cette question. Ma cause est devant le cours supérieur. Alors, je ne peux pas faire le commentaire, mais je vous assurer que moi, je suis résidente à NDG depuis plus de 20 ans. J'ai élevé mes enfants ici et on habite toujours ici. Et je l'adore, cet arrondissement. Et je travaille très fort pour les résidents de cet arrondissement. Et j'aimerais améliorer des choses ici parce que, comme vous dites, on était fragile depuis très longtemps. Mais je ne peux pas dire plus que ça parce que c'est devant le cours supérieur et mon avocat est dans le cours aujourd'hui pour avoir une date de mon audience. OK, maintenant c'est Evan Thompson. Monsieur Evan Thompson, I have 2 questions. Number 1, the bike lane lines painted on Fielding North of Loyola Park are completely faded. This means cars have no guide to where they should drive and where they can expect cyclists. Painted lines for bike paths are an absolute minimum to call something a bike lane. The number of cyclists, especially inexperienced cyclists, is going up right now with self-isolation and nice weather. So when are these lines being redone? And question 2, the traffic lights at Summerled and West Broadway have no walk signals, short yellow lights, and no red light delay. I've been caught with my baby in a stroller in the middle of the street a number of times with 2 schools down the road. Why wouldn't this intersection have walk signals and a delay when the lights change?
Okay, I'll address the first question, obviously, first, the bike lane lines. Of course, yes, we need to repaint the lines as usual, but it is still very early in the season and we haven't had very good weather. It's been very rainy and cold, and we haven't had time because of COVID-19. We haven't had the manpower to clean the streets properly before we paint. So now that the streets are being cleaned, I'm hoping that the lines will get done ASAP. But keep in mind that we have reduced staff because of COVID, and the lines are done by Rosemont. So we'll have to see, you know, if it's considered an essential service. On the upside, I notice when I ride my bike, there's a lot less car traffic, which makes it safer. And I don't know if it's just me, but I notice that drivers are being a little bit more considerate of cyclists, maybe because we're increasing in numbers, or maybe, I'm not sure why, maybe because people aren't at work, they're not as stressed. Who knows? But I do find that, but that being said, the lines do need to be painted and they will get painted eventually. So in terms of the traffic light, this is something that is controlled by downtown. And I know that they have been extending the time for the pedestrians to cross. So I will ask Monsieur Pierre Boutin, our head of Public Works, if he can give a call to downtown and see if we can get this traffic light at Summerled and West Broadway, you know, adjusted so that pedestrians have more time to cross. Is that okay, Mr. Boutin? Monsieur Boutin? Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, nous allons vérifier avec le bureau technique. J'avais compris qu'il n'y avait pas de feu de pied pour piétons. Alors ça, c'est particulier parce qu'ils ont commencé à en installer un peu partout. Il y avait un time frame pour le faire. On va vérifier. Et parce qu'on a une analyse à faire également concernant les temps pour traverser, etc. Et c'est la ville-centre en bout de ligne qui prend la décision. Mais on va vérifier avec le bureau technique. OK, parfait. Et pour le marquage? Pour le marquage, effectivement, il y a eu du retard parce qu'il n'y a pas de nettoyage qui a été fait parce que les voitures étaient stationnées partout. Ouais. Cette semaine, c'est la première semaine où le stationnement est en vigueur. Il y a même des billets de courtoisie qui vont être donnés parce que les gens, le temps qu'ils s'habituent, c'est habituellement, ça prend une semaine à deux semaines avant que les gens déplacent leur véhicule. On va voir comment ça va aller cette semaine en espérant que la semaine prochaine, on va pouvoir faire le nettoyage de la bonne façon. OK, so I'll just translate that for the person who asked the question, Ms. Evan Thompson. So we're already delayed a month for street cleaning. We gave people a month of grace. And even if it was supposed to start May 1st, there's still, we're just, you know, still giving people some leeway to get used to the new rules. So once we get cleaning, you know, the lines will be able to be painted. And Mr. Boutin will call downtown to ask about this traffic light. And Mr. Arsenault, did you have something you wanted to add? I saw you. Yes, thank you, Mayor. Just a quick thank you to Mr. Thompson for coming to council to ask your question. I know we've exchanged briefly online over the past couple of weeks, so I'm glad you were able to get your question in. Merci à Monsieur Boutin d'avoir précisé qu'il y a effectivement un programme à la descente pour ajouter les feux de traverse piéton. I just wanted to add a point about fielding specifically, because you rightly noted that at a bare minimum, we need the lines of paint on the ground, but it is, as you said, the bare minimum. And I think there is a consensus, perhaps not a unanimous one, but definitely a strong consensus on this council that we can and must do more than just put new paint, lines of paint on the ground every year if we want to ensure that there is safe cycling network that is safe for riders of all ages and abilities, from the youngest to the oldest, and not just for relatively young or middle-aged able-bodied people.
like myself, for example. So last year we added some bollards to fielding for the first time. And we completed the missing portions of the path on either side of Cavendish Boulevard. That got a lot of blowback on that from local residents, but we stuck to it. And my hope is that if not this year, because of the high demand for bollards across the city, then next year we'll finally be able to do a better job of securing the rest of fielding, because it's a golden opportunity. There aren't that many driveways. There is the 51 bus, but overall, I think there are fewer technical challenges. So I think that's some low-hanging fruit that we can go get in order to make it even safer. So thank you for your question. Thank you very much. Question number four, I am going to withdraw and not answer because it is not in conform with our Règlement de Régie Interne, Article 55 and 56. It contains langage violent, blessant or irrespectueux à l'adresse du conseil ou de qui que soit. So we will pass now to question number five from Mr. James Luck. And the question is directed to Mr. Peter McQueen. Do you support keeping station police? Oh, sorry. Do you support keeping police station 11 and NDG open? Please answer yes or no. Thank you very much for your question, Mr. Luck. No, I am satisfied with the explanations that the police gave us. However, you can make up your own mind. The public hearing is tomorrow. I invite you to tune in and to ask a great number of questions. I have something very encouraging for you, however. One of the situations for me is that the current Station 11 is way over, just on the border of northwestern border of my district. And there's now talk involving the possibility of creating a little substation in Eastern NDG, somewhere near Nidikari Boulevard. And I think that for you folks down in the Vonda Village, this would be extremely interesting. Imagine a little police substation, say around the fire station or the community center around Côte Saint-Antoine and Dikari. It's about midway between De Maisonneuve and Monkland, could cover that whole part of Eastern NDG. So I think it's one of the proposals on the table. So I invite you again to check in tomorrow night and see what we can do and find out exactly about all the what the police had in mind with the closure in the first place. Thank you. Mr. Luck, I would just like to add that this idea of a substation was raised at City Council by Mr. Rotron. We didn't get any sort of commitment from Projet Montréal. They said they would study the idea, but to me it makes no sense because it's very close to the police station, or it would be very close to the police station in Westmount. And what we need is a police presence in Western NDG. Because if you look at the map of all the police stations and you take out Station 11, it leaves a huge gaping hole in that area. I would just like to add that if you're at Walkley and Fielding in far western NDG, Station 9 and Station 11 are about equidistant from you. Okay, I think I'm actually was next to speak, but thank you if you're intervention, Peter. I want to tell Mr. Luck the following, that there have been two motions already defeated by the Projet Montréal majority, one at the borough and one at City Hall, calling for 1-year moratorium. And given that the administration has hinted at other police station closings elsewhere in the island, a promise of public security commission, public hearings in the autumn or winter, which would address that, but for which the situation in NDG is excluded. I had a motion on the April 20th council agenda, which I withdrew, being able to count votes and understanding Projet Montréal would defeat my motion, which would have been the third and final motion calling for a 1-year moratorium. But during the debate, which I felt was quite rich and gave certain opportunities, there was a promise of a credible information session to which I will
contradict my colleagues, I don't think what's being offered tomorrow night is in any way particularly credible. But there was also this talk of a substation because it's a model used in many places, including Toronto, a lot of parts of Ontario. It depends on what the model is and what goes on there. It remains to be seen. But however, I'm open to the idea as the best of a worst case scenario. Obviously prefer to have a full service police station in NDG. And in fact, I would point out in 2007, the last time there was a proposal to merge stations 9 and 11, at that time, the proposal was the other way around, said the needs in NDG and station 9 should be closed. Now, we'll leave it to the police to convince the public tomorrow. I don't believe the public will be convinced at all, and I think the work will go on. But however, the promise of looking at a substation was clearly made in city council, and I've been hearing from Project Montreal councillors from NDG that they support the idea. It remains to be seen if the city administration will be consequent with the promise that was made. Thank you, Mr. Rochon. The next question is from Madame Francine Lavazali. Oui, Madame Lavazali a demandé de retirer sa question. Ah, OK. Prochaine, c'est de Claude Lambert. Oui, donc l'objet, demande de contrôle de la pollution sonore sur les rues Queen Mary, Côte-des-Neiges et Remembrance-Camillien-Houde. Actuellement, en ces temps de COVID-19, les rues sont calmes et deviennent un lieu idéal pour ceux qui considèrent le bruit irritant et inutile de leur moto ou de leur voiture comme un moyen d'exister. Ce n'est pas la vitesse qui est en jeu, mais bien de faire vrombir intentionnellement son moteur le long de la rue. Solution, signalisation, capteurs sonores et écrans. C'est possible pour voir ce qui se fait concrètement dans les villes de Victoria, Vancouver et surtout Edmonton. On peut consulter un article sur le site Internet de Radio-Canada en date du 1er mai 2020. Je déambule à pied et à vélo dans mon quartier. Je ne le traverse pas comme un lieu d'amusement. Merci pour l'attention que vous portez actuellement aux résidents de l'arrondissement. Merci, Monsieur Lambert. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des voitures qui font beaucoup de bruit, aussi des motos, motocycles, on dit ça. Et je trouve que la cam qu'on a maintenant, c'est incroyable. Alors, j'aimerais que notre ville reste comme ça, sans cette bruit des voitures. Alors, je sais qu'il y a un règlement contre ce bruit et je pense que c'est une question pour la police. Mais concernant la signalisation, on fait beaucoup de choses pour calmer le trafic et la vitesse. Mais malheureusement, maintenant, on n'a pas beaucoup de circulation. Il y a des gens qui veulent conduire très, très vite. Et malheureusement, on a ce problème, surtout en été, lorsque nos fenêtres sont ouvertes, on entend beaucoup de bruit. Mais à part de ça, je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez appeler la police pour rapporter des gens qui font le bruit comme ça. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Merci, M. Lambert, pour votre question. Elle est fort intéressante. Vous avez compris que c'est une préoccupation de plusieurs des élus de Côte-des-Neiges et NDG. Une chance, nous avons la paix pendant le COVID. C'est la bonne chance. Mais on va regarder avec les services centraux les propositions que vous faites, donc les installations que vous nous suggérez de regarder. Et puis, on va vous tenir au courant. Merci. Quelqu'un d'autre? No? OK. The next question is from Hala Al-Ubaidi. Currently, groups are busy working to reach their clients and dealing with stressful work conditions. The school opening announcement is creating a high anxiety among parents. Our seniors are totally isolated. Groups are working on ways to elevate their isolation.
We fully expect our elected officials to support inclusive public consultations on issues that directly impact residents. We believe that the police time could have been used more constructively at this time than spent working on a PowerPoint for an info session that will reach non-representative number of people. 2,800 people already signed the petition. They deserve better than a last minute invitation to an information session. Is this the best time for the info session? Please explain the reason behind this last minute invitation. Can this consultation be postponed until a time when accessibility for a majority of residents can be ensured? And meanwhile, keep Station 11 open to serve the community as usual. So thank you very much, Hala, for this question. I agree that it's last minute and it hasn't been advertised, but that is on the SPVM. It was their responsibility to invite people and to spread the word. But that being said, it will take place tomorrow and I invite people to attend virtually and make your feelings known to the police. This is your chance to talk. I know it's just an information session, but I think given the situation with COVID and what I was referring to earlier when Mr. McQueen took me to task was that it's not that the station is not open right now, it's that we need police officers who know the vulnerable residents. And when you have a police station in which these officers work, these officers get to know the elderly, the people with mental health issues, people who are isolated, and the homeless, or people living on the verge of homelessness. So that is what I was referring to in my opening remarks. So I'm on your side. I agree that this is ridiculous, that you know, they're basically presenting this as a fait accompli without proper data, without proper consultation, and just not listening to the residents. And I think Mr. McQueen and Mr. Arsenault should be listening to their residents, as should the police. Mr. Rotron, you wanted to intervene? Yeah, thank you. First of all, I cannot for a moment believe that either Mr. McQueen or Mr. Arsenault condone the type of information session, the one and only information session, which to people of good faith will give the impression that the police are just doing this to get the dossier out of the way so they can just go ahead and do what they originally wanted to do. I have enough faith in my colleagues to believe that they must feel uncomfortable about the procedure. I will table this evening a letter that I sent that all of you were copied on Thursday to Ms. Filito, in which I enumerated what I thought were the weaknesses of this information session. For example, called at the last minute, never advertised except on police website, in French only. That's been partially rectified now with the last minute English document. And it goes on and on. I suggested two possible solutions if they were not going to change their position, one of which was to cancel the session, as Ms. Alabaidi suggests. The second was to consider it the first of two, just a basic tabling of a document, questions of clarification, and then when health situation permits several months down the line, perhaps either an in-person or another session where people at least would have had time to mull over all the arguments and make their comments before any final disposition of the dossier. The answer was basically no, although the city administration says that people who miss the meeting tomorrow can look at the document online for the foreseeable future, and those who missed the deadline tonight at 6:30 for sending questions will be able to send questions after the fact. Now, that doesn't satisfy, I don't think, too many people, and I think it will leave a bad taste in the mind of the community. And I'll close by saying that the idea of the substation, which would have met the objections of at least a part of the population, was rather vague in Ms. Filito's answer to my letter, which I'm going to be tabling in a few minutes. Her email of Friday was less open to the idea than I heard Mr. McQueen earlier this evening. I would invite my Praja Morial counselors
to consult among themselves and see what the administration's real intentions are. Thank you. Mr. Arsenault? Thank you, Hala, for the question. It's, I think, rare that you and I find ourselves in a situation where we're on opposite sides of an important issue, but thank you for taking the time to show up to Council again to ask about this. Given the context that we're in, my understanding is that the police department thought that it would be better to hold something sooner rather than later, given the community's request for more information. And that in the context of COVID, there are only unideal scenarios because we can't get everyone together in a room. And so on that front, I think we're doing what we can. Although I am curious to see the turnout tomorrow night. I will be there. I'll be in attendance. I'll be listening closely. And Peter and I will be following up with our colleague Fidetto and the department as a result of that. On the other point that Mr. Rotron has continued to mention, as far as the guichet is concerned, this police guichet, this is something that, as we said, in City Council, we are happy to study the idea. I'm not entirely sure why he's feeling that our colleague has grown ambivalent about it, but it's something that both Peter and I feel enthusiastic about. The possibility has merit, and I think that we should be looking at it as objectively as possible. As a general response, I'd say that I hope that in some small way, this info session, one way or the other, might just take politics out of it a little bit. I think there's been a lot of misinformation that's circulated and it's added to community concerns. And so what I'm hoping we can distinguish over the next, tomorrow night, but also over the coming weeks, is to distinguish between the political posturing and the deliberate repetition of false information that we've seen from certain elected officials, and then legitimate community concerns that result from that because people are not receiving the right information. So by all means, show up tomorrow night. We will reserve judgment on the success of the info session until it has actually happened. And if we need to go further, then I'm sure that Peter and I will be more than open to discussing our options with you. Thanks again for coming out. Thank you. Mr. McQueen, would you like to... You'll forgive me for raising a point of order. Oh, okay, Montgomery, it's quite unparliamentary to accuse a colleague of false information and purposely circulating false information. I'm not sure who Mr. Arsenault was referring to, whether maybe Mr. McQueen, I don't know, but regardless, he is to be rapped on the knuckles and told that it's unparliamentary language and he should withdraw that statement. And would invite you to do so. Mr. Arsenault, will you withdraw that statement? If deliberately circulating false information is unparliamentary. No, saying that is unparliamentary, accusing right. An elected official of doing. Even if it's true, I will indeed pull my comments and have them scratched from the record. That's a bit backhanded, but okay. Mr. McQueen, are you going to defend this? I think I agree with Councillor Arsenault's statements. Okay. So we will move on to question number 9 from Mr. Spencer. He has one in English and one in French. So further to the consensus achieved at the Commission sur la période des questions, a year ago, does the borough of Côte-des-Neiges-NDG have plans to consult citizens on the various items to be voted on in upcoming council meetings, or will we simply continue to be informed of the outcome after the fact when it is too late to have a say? I mean, you're welcome, Mr. Spencer, you know, to send us emails, and I know you do on a regular basis, of things that you would like to weigh in on, but I mean, the fact is we don't consult on every little thing we adopt because that's what we were elected to do. We elected to represent people and vote, you know, in favor of things that are going to improve things in the borough. That being said, we do consult on certain things and bigger issues. You know, residents have right to
call for, you know, sign the registry to get a referendum on things. We have the CCU that is made up of residents. So there are various ways that you can have your voice heard. If we were to consult on every single thing we vote on, we would never get anything done. So I think I see Mr. Rotron wanting to weigh in here as well. You have to unmute yourself, Marvin. Sorry. Thank you. I know Mr. Spencer took part in the Commission de la Présidence meeting that was held in Côte-des-Neiges about a little more than a year ago on the issues of the question period of City Council and consultation in general, for which the document tabled in Council said the City still had work to do to improve consultation. So I think his question is legitimate. It's really basically how can we improve outreach with our citizens. For me, it's a whole wide range of tools, everything from our newsletter and how often it goes out, in what form, who gets reached, who doesn't get reached, how many languages we can translate certain important documents in, how long we have a period of feedback. But rather than get into the minutiae of the question, I want to point out something that you pointed out in a meeting with the councillors. We're in the age of COVID-19. All our policies have been turned on their heads in terms of consultation. And the real challenge in the next couple of weeks is invited by Quebec to come up with a new policy. They have a decree which works fairly well for small towns, but is inadequate for a borough like ours. How can we improve on what Quebec suggests so that there will be real consultation on important bylaws? People still know what is happening at the borough council and be able to comment on that. I think more than ever, given that we are entering an uncertain period for how long we do not know, where we may not have referendum rights as citizens, we may not have rights to sign a register, we won't have rights to be physically present and interact with our elected officials, how we can assure them that consultation will be real. And I think that part of Mr. Spencer's question very legitimate, and I think he will be happy with the response he's going to get ultimately from this borough council. Thank you. Well, I'd just like to add, Mr. Spencer, that I, as you know, I sat on that commission, sur la période des questions, and it was almost indicative, the commission itself was almost indicative of resident participation because there was very little turnout at a lot of the meetings. I know Côte-des-Neiges, there was more than in others, but you know, so it's indicative that we need to do better to get people involved, to fight that cynicism out there, to you know, to encourage people to learn more about how the city works and what is going on in their boroughs. So it is a challenge. I'll just read the, je vais le lire le deuxième, Madame, si vous voulez. Puisque la ville et l'arrondissement, this is still from Mr. Spencer. Puisque la ville et l'arrondissement opèrent maintenant dans le but louable d'agrandir les espaces piétons dans la rue, est-ce que les trottoirs existants, parfois dangereusement endommagés, seront réparés en priorité? Good question. I'm glad that you are enjoying the wider spaces. I'm personally hoping that they can become permanent items, that we can share the road more with pedestrians and cyclists alike. I think a lot of people are seeing during this pandemic that it's kind of nice to have a city that's not clogged with cars and pollution and noise and stressed out drivers. And I think people are rediscovering walking, and apparently bike sales are through the roof. But will they be repaired and as a priority? That's difficult to say at this time because, of course, we are being asked to cut things from our budget because of COVID. But as you know, when we do redo streets, we are widening the sidewalks as a general practice. So ever since I became mayor, that's what we've been doing on streets that we've been repairing. So does anyone else want to add something to that? Okay, merci. Madame Reeves, Felicia Balzano.
Oui, de la SDC Côte-des-Neiges. En mon nom et celui de la présidente du conseil d'administration, des administrateurs et des membres de la SDC Côte-des-Neiges, nous souhaitons souligner l'importance du soutien de l'arrondissement pour notre SDC Côte-des-Neiges. Nous sommes reconnaissants d'apprendre que vous avez développé un fonds spécial d'urgence économique en raison de la situation de COVID-19. Aujourd'hui, notre projet « J'aime Côte-des-Neiges » vous sera présenté dans le cadre de ce fonds. Avec celui-ci, nous voulons accompagner 230 entreprises et commerces de Côte-des-Neiges pendant la pandémie et lors de la relance, mais aussi favoriser un territoire sécuritaire et attrayant afin d'en assurer la vitalité économique. Le projet J'aime Côte-des-Neiges est une première étape pour aider à la relance et nous souhaitons pérenniser les actions qui en découleront. Nous vous remercions d'encourager nos actions pour le développement économique, commercial et culturel du quartier de Côte-des-Neiges. Merci beaucoup à vous, Madame Baldano. Je sais que cette situation, ce n'est pas du tout facile pour les commerces et ça brise le cœur de voir tous les petits commerces comme Bibliothèque Oliveri qui est récemment fermé. Et j'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous faites pour appuyer les commerces dans cette situation. Et j'ai hâte que les commerces peuvent réouvrir et tout le monde puisse les visiter encore. Alors, merci beaucoup. Madame Amérez, je peux ajouter? Voilà, je vais ajouter ma voix à celle de la mairesse et vous remercier pour le travail que vous faites. Il est extrêmement important, ça prouve l'importance d'une SDC sur une artère commerciale. C'est un moteur, c'est un point de rassemblement. Hier, j'ai magasiné sur le Côte-des-Neiges. Je suis allée au marché trottier et j'étais agréablement surprise. Donc, le marché, c'est arrangé, on lave les mains à l'entrée, il y a des corridors pour l'accès. C'est extrêmement important de pouvoir ouvrir petit à petit, mais en même temps, d'assurer la santé et la sécurité des résidents et des gens qui fréquentent les commerces. J'espère aussi qu'on va les voir bientôt toutes ouvrir, mais avec des conditions de santé mises en place. Merci encore pour votre travail. Quelqu'un d'autre, non? Bon, merci. Monsieur Joseph Malala. Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais remercier la mairesse ainsi que tous les élus pour leur travail, surtout en cette période extraordinaire. Voici ma question. En tant que résident de la rue Powell, soit de l'enclave Méran, Atherton et Powell, j'aimerais demander un accès similaire aux résidents de Glenmont, aux diverses infrastructures récréatives de Ville-Mont-Royal et surtout l'accès à l'école Saint-Clément-Ouest. Cette école se trouve à 500 mètres, soit 7 minutes à pied de notre résidence, tandis que l'école la plus proche à laquelle nous avons accès, École des Nations, se trouve à plus de 25 minutes de marche. J'aimerais aussi demander des mesures d'atténuation de la circulation, indicateurs de vitesse, dos d'âne, restrictions de passage aux non-résidents, car l'avenue Powell est utilisée comme une route de transit, surtout aux heures de pointe, où les véhicules passent de Luzerne vers Descaries et vice-versa à grande vitesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Malala. Je vais demander notre département de travaux publics de voir si ça sera possible de mettre un dos d'âne ou quelque chose comme ça. C'est très difficile de mettre des restrictions de passage aux non-résidents. On peut mettre une affiche, mais comme vous savez, des gens ne respectent pas toujours des affiches. Alors, et je pense que maintenant le limite de vitesse, c'est 30 km, surtout tous les rues résidentielles.
Mais pour un Dodan, peut-être on peut regarder ça par notre département de travaux publics et techniques de circulation. Et concernant les écoles de Ville-Mont-Royal, je sais que la Ville-Mont-Royal a une entente avec la commission scolaire à Ville-Mont-Royal et je crois que c'est Marguerite Bourgeois, si je m'abuse. Oui. Alors, il faut parler avec la commission et la Ville-Mont-Royal, mais je suis pas sûre qu'ils vont vous donner la permission d'aller à cette école. Sue? Yeah. Oui. Ah, bonjour, M. Malala. Je suis le conseiller municipal de ce secteur. C'est une partie de Snowden, l'extrême nord, presque la dernière rue dans mon district, jusqu'à côté de Ville-Mont-Royal et enclavé de la reste de la district. Deux choses. Une Dodan a été installée l'année dernière sur Powell. Donc, je vais vous contacter les jours qui viennent pour voir qu'est-ce qui est le problème exact. S'il y a un problème sur circulation ou vitesse, peut-être avec le service police, on peut adresser ça. Mais j'aimerais savoir s'il était un problème avec le Dodan qui est installé. Deuxièmement, sur l'entente que la ville, que l'arrondissement a avec Ville-Montréal pour Glenmont, ça c'est historique, ça date de presque 60 ans ou plus. Et Glenmont était une partie de Ville-Montréal à deux reprises, avant les années 50 et après avec les fusions de toute l'île de Montréal en 2000, c'est devenu une partie de l'arrondissement de Ville, l'arrondissement Mont-Royal. Et à cause de ça, il jouit d'une certaine entente avec la Ville de Montréal que nous avons toujours respectée jusqu'à il y a 18 mois quand nous avons changé l'entente. Mais votre secteur n'était jamais parti de ça. Et la Ville de Montréal a dit qu'il va continuer avec l'amende seulement à cause des droits acquis. J'ai des forts doutes, mais je vais consulter le maire Roy sur la possibilité. Merci. Merci, Monsieur Vautrin. Alors, the next question is from Joanne Wemmers. This is to Peter McQueen. The decision to close the only police station in NDG runs contrary to the basic values of Projet Montréal, which ran on slogans such as pour des services aux citoyens efficaces and une vie de quartier dynamique. Police are an essential part of our local community. If all of the police are moved out of the borough, the informal contact, which comes through physical proximity, will vanish. Besides negatively impacting reporting of crime by victims, the loss of proximity and the ensuing disappearance of non-enforcement contact will undermine trust and confidence in police. The shooting by police of NDG resident Nicholas Gibbs revealed the fragility of public trust and serves as a reminder for police that it must invest in its relationship with local residents. Non-enforcement contact between citizens and police cultivates mutual respect and provides police with the legitimacy they need in order to function effectively. Why do you support the decision to close Police Station 11? Mr. McQueen? Yeah, thank you very much for that question, Mrs. Wemmers. Very interesting question, very good points raised. Listen, I agree with you completely. The shooting of Nicholas Gibbs was a very, very problematic situation. And I assure you that both I, my colleagues, and all of Projet Montréal support strongly all kinds of training, of consciousness raising, of racial and mental illness awareness training in the police. And we think it is extremely important. I mean, the shooting of Nicholas Gibbs, of course, happened while Station 11 was open. So I think it clearly shows that the locations of stations do not change how important it is to work and continue working on that kind of training. So I agree with that. Anyone else? No?
Okay, we'll go to Mr. Kopeters, Joel. One of the poverty roundtable's key recommendations was for a livable minimum wage, beginning with our own municipal staff. The pandemic has proven again how vulnerable lower wage staff since they have little reserves and are usually first to lose their income. Question number one, contributing to organizations responding to the pandemic is great, but if we want businesses to go above and beyond in caring for their employees, we must lead by example. Aside from throwing them out on the unemployment insurance slush pile with everybody else, what concrete steps has our borough taken to directly care for our own close to minimum wage staff affected by the shutdown? Question two, as life returns to normal, we want to continue the livable minimum wage push towards $15 an hour for our borough and city staff. If I understand correctly, Benoit Garé costed out the measure, but the file was stalled by concerns the union expressed about salary scales they feel would need to be adjusted. How can we move past this? Thank you again for raising this question. I think it's interesting to see that the federal government was able to come up with $2,000 a month for people. And I'm hoping that once this crisis is over, that we will have a different economic approach in our country towards people living on, on the edge of poverty or in poverty. I would certainly support something like a guaranteed minimum income for everyone, so that people don't have to be going begging every month. I've been, like I said before, I've been volunteering at Multicop Food Bank, and they're making 7,000 meals a week, up from 1,000 before COVID. And, you know, who knows how many people they're not even reaching during this crisis, people who are afraid or ashamed for whatever reason aren't going to a food bank. So, you know, I think we need to seize this opportunity of this pandemic, this crisis, to reevaluate everything. I mean, everything from our economy to the environment, to driving vehicles, to sharing the road. And I really hope that we don't miss this golden opportunity. But in terms of the minimum wage, that is not the borough's responsibility. And, you know, all these things are set by collective agreements. And it's true that the administration looked into it. And it seems, from my understanding, the blockage was the union collective agreements. Because if you're going to give $15 an hour, then everybody else's salary apparently had to go up as well. Is there somebody else that wanted to weigh in on this question? No? Okay, thank you again for your monthly questions, Mr. Kopeters, always thoughtful and force us to push the boundaries. So, Julie Beauchemin. My name is Julie Beauchemin. I live on Terrebonne Street, and I speak on behalf of hundreds of members and sympathizers of the NDG Cycling and Pedestrian Association. We would like to offer our collaboration for a pilot project for two protected and separated bike paths on Terrebonne, one heading west and one heading east. This would permit easy and safe access to various schools, Willingdon, Royalville, St. Catherine de Sienne, Mark Favreau, Judith Jasmine, and to Concordia University and the YMCA, among other popular destinations. We appreciate your efforts to provide a protected space for pedestrians on Monkland and would appreciate your collaboration to give cyclists, young and old, a safe east-west route through mid-NDG.
We must act quickly to avoid accidents like the one last Saturday where a 14-year-old cyclist was hit by a car on NDG Avenue and Oxford. Can we count on your support for separated and protected bike lane on Terrebonne, and what is your time frame? I just want to start by saying I read about that accident of the 14-year-old, and thank goodness the victim is okay. But it's certainly upsetting and scary when that happens, and you know we want to avoid that. I think Councillor Arsenault talked earlier about having a bike path on Terrebonne. It certainly is a wide enough road that we could do that. In this time of COVID, of course, like I said earlier, there's a lot of pedestrians and cyclists out on the road because there are fewer cars. So I'm hoping that people will get into the mindset of sharing the road more. And, you know, who knows, maybe people will discover if they actually don't need to drive, they can walk to their local stores and so on, and where they can work from home and don't need to commute. Hopefully that will be the outcome of this. That being said, I support, you know, the more bike paths, the better, as far as I'm concerned. There is the question of bollards right now because we are using them for pedestrian corridors, but I would certainly support, and I think Councillor Arsenault is on the same same wavelength when it comes to bike path on Terrebonne. I don't know, did you want to say something, Councillor Arsenault? No, you're okay. I'd like to say something. Okay. Thank you very much for the question, Madame Moshme, and the Cyclist Association, of course. I strongly favor this, and in fact, I favor doing it by making road traffic, making vehicular car traffic on Terrebonne one way eastward to make the space to create the bike path. And I would like to ask the mayor, the mayoress here, what about a time frame? She asked for a time frame. Can you specify to us a time frame for when this could be done? Well, I mean, like I said, we're using a lot of the bollards right now. I would have to speak to our director because, like I said, the bollards are being used for the pedestrian zone. So I cannot give a time frame right now. Allow me to interject that I'm not sure whether Mr. McQueen is proposing this as a permanent thing or not, but there are institutions along Terrebonne, including schools, including the Mackay Center. I'm just curious if anybody's spoken to them before the street is about to become a one-way eastbound. I really think that political considerations and politicians shouldn't be the ones dictating which way roads go or where the, you know, traffic safety mechanisms that are put in place are put in place. We have specialists and engineers who do that. Thank you. Thank you very much, Mr. Arsenault. I wasn't going to speak, but given that Councillor Rotron raised an issue that falls particularly in the Loyola District, I just thought it important to reiterate something that he said. While I share my colleague McQueen's enthusiasm, this is really the kind of situation where we need to give an orientation, an overall objective to our civil servants. They're the experts, they're the professionals, and then we see what the options are once they've studied the technical challenges. One of those challenges, most notably, is the block between Cavendish and Benny, which has an elementary school on roughly either side. Actually, if you go one street further, we have a senior's residence and an elementary school on one side and a park, and a relatively new school on the north side as well. These are difficult challenges to figure out, which is why we have professionals to do the job. So I'm very much looking forward to seeing what they have to propose. I will not be making any specific recommendations. I think council needs to give an orientation to say, we want this broadly speaking. Now, figure it out, run with it, and we'll give you the support that you need to get the job done. Since everybody seems to be piling in on my suggestion, I'd just like to clarify two things. One, I never said I don't want drop-off zones or accommodations for all those institutions. I very much do want accommodations for the grade schools, the churches, et cetera, along Terrebonne Street. Secondly, I'm completely open to any option our services
bring before us, but please bring it soon. Okay, thank you. Anyone else? No? I'm just checking the time. We're at 55 minutes. When it comes, the next question is, our borough director has just pointed out to us that Hutaban is a arterial street. Si vous permettez, simplement préciser, évidemment, qu'étant donné que c'est une rue artérielle, on doit travailler avec nos collègues de la Ville-Centre, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas poser des gestes aussi rapides que sur une rue locale, je vais seulement le préciser. OK, so the next question is from Ira Salmon. When it comes to the statistics for the novel coronavirus COVID-19, the numbers on the Santé Québec website are for the whole borough of Côte-des-Neiges and DG. I would like to have a better and clearer understanding of how many of our borough's confirmed cases of COVID-19 are specifically for or in NDG proper, and how many of those cases resulted in recovery, and how many in death. In other words, is there another website that can provide us citizens who live in NDG with the data for only NDG, or can our borough mayoress, Sue Montgomery, and or either of the two NDG councillors, Ms. Peter McQueen and Christian Arsenal, provide us with that particular information? Thank you, Mr. Salmon, for that question. Unfortunately, we don't have a breakdown of figures for Côte-des-Neiges or NDG. It's Quebec and the Department of Public Health that collects this data, not the borough. And we get it according to the numbers just overall for the borough, as do municipalities. They just get it for their town or municipality. But that being said, I'm not sure what difference knowing where it is exactly is going to help anyone. I mean, I think we all need to assume that we are carriers of this virus and that we have to behave as if we're carriers. So that means like only going out for essential services or essential needs like shopping, one person from a household going to the store, wearing gloves, wearing a mask, washing your hands a lot. You know, it's just so difficult to, not everybody is going to be tested. So even if we say, you know, the majority of the deaths were in NDG, say, hypothetically, I have no idea, it doesn't make any difference, really. Like, you still have to behave as if you are a carrier of this virus. That being said, also, I know that the majority of deaths, even though Quebec has the highest number and Montreal has the highest number in Quebec, most of those deaths, unfortunately, have been in elder care centers and so on, or among the people taking care of those people, those incredibly brave people that are going to work every day and taking care of the elderly. So that's a long way of saying we don't have the data that you would like. Is there anyone else who would like to respond? So yeah. Who was that? Peter? I would like to say that I agree very much with the last things that Mayor Montgomery said. Come on, the numbers are rolling higher everywhere. This is not a race. This is not a, it's everywhere. People in all the different neighborhoods can go shop in neighborhoods beside each other. It really doesn't make any difference at this point. Please be ultra careful. Yeah. And also, I think even if we, had information that it's in one neighborhood, I mean, I don't like the idea of, creating fear of a certain group or a neighborhood or vigilantism happening. We don't have that data, and I don't see as it being necessary given the nature of this virus. Mr. Arsenal? There have been a number of disagreements, vehement disagreements tonight, I think it's important to highlight some of the times when all of us agree with each other. And so I'd like to wholeheartedly support what both Mayor Montgomery and Councillor McQueen said.
I know that in times like these, sometimes more data or specific information can appear more comforting, but the fact of the matter is everyone's at risk. It's highly contagious. For all we know, it doesn't take much. It's people who go out thinking that they're not going to get infected. And so we need to be responsible. We need to act as if we're already infected, even if most of us aren't, because that's the most responsible thing to do, data or no data. Thank you for the question. And I would just like to also just take this opportunity to give people some advice on, you know, mentally dealing with this without becoming super anxious about it. It's just, you know, try not to watch the news very much. I try to limit mine to the daily Quebec news conference at 1 o'clock. I'm not even looking at what's going on in the rest of the world right now because it, A, you can't do anything about it, and B, it's overwhelming. So, you know, try to limit your news consumption. Try to, you know, find distractions for it. Eventually, there will be a vaccine. Eventually, I hope life will go back to some kind of normal. But it's important that we take care of our mental health. And I know that as the weeks pass, it becomes more and more difficult to keep your wits about you and not get too freaked out about the situation. So, and reach out to friends if you're feeling overwhelmed. Okay, now the next question is coming from Lucie Wimet. Deux questions. La première, peut-on penser pouvoir avoir un côté de la rue pour chaque direction sur le trottoir pour éviter d'avoir à marcher dans la rue en respectant la distanciation sociale? Deuxième question, j'aimerais que vous fassiez installer une traverse de piétons sur la rue Sherbrooke entre la rue Walkley et le parc Trenholm. C'est très dangereux et de nombreuses personnes y traversent chaque jour pour aller au parc avec ou sans leur chien et en revenir. Merci. Merci beaucoup, Madame Wimet. Merci pour les questions. Oui, on a tous pensé de cette règle d'avoir un côté de la rue pour marcher. Mais je pense que on a vu dans les magasins, les gens ne puissent pas suivre les flèches sur le plancher. Alors à mon avis, je ne sais pas si on peut enforcer un règle comme ça. Je pense qu'on ce qu'on fasse avec les corridors piétons, c'est beaucoup mieux. Ça donne l'espace pour marcher en sécurité et pour respecter la distanciation sociale. Alors, je pense que lorsqu'on ajoute encore plus des corridors piétons, je pense que ça va mieux. Mais on peut toujours considérer ou penser de mettre des affiches sur quelques rues aussi pour demander des gens de marcher un côté, une direction sur le côté sud, par exemple, et l'autre direction sur le côté nord, je ne sais pas. Mais on est ouverte à toutes les solutions. Et pour installer une traverse de piétons sur la rue Sherbrooke entre Walkley et Park Trenholm. Je sais qu'il y a beaucoup de... Mais est-ce qu'il y a un feu trafic là, à cette coin? Je ne me souviens pas. Non? Si vous me permettez. Oui, allez-y. Il n'y a pas de feu entre Cavendish et Rosedale. Merci, Madame Wimet, pour la question. Vous soulevez un enjeu, un endroit qui est connu par moi-même et par mon service. C'est difficile dans cet endroit-là parce que on espère éventuellement, en fait, le rendre partie de notre réseau local de pistes cyclables et de voies cyclables.
surtout avec les rues Walkley et Montclair. C'est sur la table au moins. Mais c'est vraiment difficile entre Cavendish et Rosedale, justement parce qu'il n'y a pas de feu de circulation. Alors, c'est une longue distance et les gens vont carrément la course en auto. Alors, on en est sensible. Tout récemment, une autre résidente nous a flagué que la limite de vitesse, le panneau pour limite de vitesse n'avait pas été mis à jour. Alors, on a réussi à faire ça pour avertir les gens qu'il faut conduire plus lentement. Mais en ce moment, on est toujours à l'étude de qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Et encore une fois, comme notre directeur d'arrondissement a mentionné pour Terrebonne, Sherbrooke, évidemment, c'est tout un défi parce que c'est une rue artérielle, donc sous la gouverne de la ville-centre. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on a le contrôle direct ici en arrondissement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des réaménagements, juste que ça prend plus de temps, plus de travail, plus de collaboration entre plusieurs instances de la ville. Tout ça pour dire, on en est conscient. On espère trouver une solution bientôt parce que, bien sûr, c'est très achalandé avec le Café 92, le Parc Trenon. On y travaille. Merci. Et la prochaine question, c'est de Mansour Feki. Oui. Bonjour. La question que vous avez attribuée à Mme Toupin à la dernière séance est mal attribuée. C'était Mme Françoise Thomas et Feki Mansour qui l'avaient adressée. Veuillez apporter correction dans vos rapports, s'il vous plaît. Oui, ce sera fait. Désolée pour l'erreur. Maintenant, la question. Mme Montgomery, nous habitons le 3440 Redwood et nous subissons les affres de la subdivision éviction de la part de la société Hill Park. Nous vous avions exposé notre situation avec celle des autres locataires qui sont dans une situation très peu enviable. Cette situation conjuguée aux restrictions du COVID nous laisse dans une situation très peu confortable. La question. Aujourd'hui, devant la prédation socio-économique qui s'abat sur l'immobilier, allez-vous consolider, protéger les locataires de cette épée de Damoclès qui est la Réno subdivision, éviction, comme l'ont fait d'autres arrondissements, s'il vous plaît? Il sera intéressant d'avoir le feedback des autres personnes élues qui siègent avec vous. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Monsieur Feki, pour cette très importante question. C'est vrai qu'on a, il y a une pression sur le logement dans notre arrondissement récemment et on travaille très fort sur des nouveaux règlements pour éviter des rénovations. Alors, on va adopter des règlements très bientôt pour éviter cette situation et les autres situations partout dans l'arrondissement. On n'attend pas, Magda. Non, merci. Je vais intervenir et je vais vous demander si vous pouvez assurer Mme Thomas et M. Feki qu'il n'y a aucun permis qui va être émis de transformation de ce bâtiment entre vendredi, quand l'avis pour le règlement a été publié et devenu officiel, et la date à laquelle vous considérez à un moment donné voter ce règlement. Si bien sûr vous et les collègues, parce qu'il semble que vous parlez au nom de tout le monde, de tous les collègues, est-ce que vous garantissez aux citoyens qui vous posent la question qu'aucun permis ne va pas être émis pour transformer le bâtiment? D'ailleurs, la compagnie qui est propriétaire et qui a acheté il y a 2 ans, c'est une compagnie qui est bien connue. Dans le sud-ouest, il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été, où les locataires ont été mis à la porte et ils ont été transformés. Donc, je ne dirais pas des spécialistes de rénovation, mais pas presque.
Non, je ne peux pas donner des garanties, mais comme vous savez, Madame Popiano, ça prend du temps pour avoir un permis. C'est pas donné un jour le lendemain. Alors, c'est ça, ça prend du temps. Et je pense qu'on va avoir notre conseil spécial très tôt. Je peux, Madame la mairesse? Moi, je pense intéressant que Madame en question, la citoyenne, dit qu'ils font déjà face à cette problématique. Alors, je pense qu'il va falloir regarder éventuellement, peut-être poser aux questions et au service, est-ce qu'il y a déjà eu une demande dans ce sens-là en vertu de la réglementation actuelle plutôt que de prévoir quelque chose. Donc, elle parle d'une problématique actuelle, Madame Popiano. Il ne faudrait pas présumer des circonstances sans avoir toute l'information. Merci. Je peux vous répondre, M. Pérez. J'ai vérifié avant de parler. D'habitude, je vérifie mes propos. Non, il n'y a pas une demande de transformation, mais il reste sur 43 appartements, une dizaine qui sont encore occupés. Ces gens-là subissent des pressions énormes depuis 2 ans. Donc, on leur a coupé l'ascenseur pendant des mois et des mois. Et lors de la négociation de loyer, donc, ils ont reçu des augmentations du simple au double. Donc, si ça ne s'appelle pas de la rénoviction, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il n'y en a pas encore de demande de permis. J'ai posé la question il y a quelques jours en arrière. Donc, avant vendredi. OK. Oui, un point d'ordre, Madame la mairesse. Oui. La période de questions des citoyens doit solliciter des réponses des élus. Les autres peuvent ajouter d'informations, mais ça ne doit pas déclencher un débat entre élus. Ouais. Je considère que malgré la réponse de Mme Popiano intéressante, probablement pertinente, quand même cet effort de déclencher un débat sur vous, sur un autre sujet que la question qui est posée par les citoyennes, qui a amené M. Pérez, a amené une autre intervention. Donc, je vous invite de rappeler à l'ordre tout le monde quand ça arrive. Madame la mairesse, point d'ordre. Monsieur Rotin, il est spécialiste d'intervenir par-dessus les interventions des autres. Donc, me faire tirer les oreilles sur un sujet qui est extrêmement… Vous avez compris ce que le citoyen demande, OK? Donc, je m'attendais que vous répondiez à la question du citoyen. Êtes-vous d'accord avec un règlement qui empêcherait les subdivisions et les transformations? Madame Popiano, on ne fait pas un débat. Monsieur Rotin. Au lieu de me tirer les oreilles. OK. Prochaine, c'est Fauniemi. Considering that the borough has the second highest rate of COVID-19 after Montreal North and the second highest death rate after Hunsett-Cartierville, considering that 47% of the borough population are racialized, many of whom are Black and Asian residents working in healthcare and other essential services, considering that the borough has a high proportion of residents who are of low income, tenants and new immigrants, considering evidence of disproportionate adverse impact of COVID-19 on Black and Brown people in many North American cities, considering that there is no existing data on the profile of people infected by COVID-19 in Montreal based on factors other than gender and age, does the Borough Council support the collection of COVID-19 infection and death data based on race, language, and income level in order to obtain a more accurate measurement of the needs of the multiracial population and to develop adapted programs and services for groups with special needs? Thank you for that question, Fo. As you know, it's Quebec that collects all this data. So it would be, you would have to direct your requests or demands or question to the CAC. But one thing I will say is that I'm very much aware that many of the healthcare workers in these old age homes or elderly homes are Filipino women and Haitian women, as well as women from other, and men actually, from other countries. So I'm hoping that at the end of all of this, one of the positive things that will come out of it is that the CAC will realize
how important the immigrant community is to our province and to our cities and to our healthcare system, and that they are recognized for the wonderful workers they are, and that they earn the a salary that reflects that the job that they do, the important job that they do. So, if I may, Madam Mayor. Yes, Mr. Prince. So that question was asked by a journalist to Dr. Arruda and Mr. Legault on Friday. And the answer was very clear. They are collecting this data because it's part of the medical profile and of the individual. That doesn't mean they're going to release that information, at least not on the short term. I presume eventually once they have been able to collect all this data, they will be able to see if there's any kind of trends or variables. Obviously, we're all concerned about how that data is used and how it's communicated and conveyed. We should ensure that it's not used to stigmatize any kind of population. But at the end of the day, if there is some kind of medical purpose and relevance in the determining a predisposition, for example, then that information will be collected as confirmed by Quebec National Health. Thank you. You'll permit me a few words as well. Yep. I just want to alert my colleagues. I'm actually one of the 30 people who signed the statement by CRAR that came out on Friday in support of this exact demand, and motivated by the necessity of assuring the proper allocation of resources to areas where there's the actual need and assessing the relevance of race-based data in terms of being able to allocate those resources. That's all I have to say here, but I would point out that you skipped question 18 and went from 17 to 19. Oh, yeah, because the reason being, we already had three questions on station 11. That's right. So if we have time at the end, we will get to that. But one of the rules is we only have three questions. Okay. I hadn't realized there had been three. Thank you. Yeah. Okay. Anyone else on question 19? Okay. We will go to question 20, Madame Maître Reeves. Oui, c'est de Elisabeth Saint-Pierre. Bonjour. Si j'ai bien compris, le plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 prévoit la collecte des matières compostables des immeubles comptant plus que 8 logements. À quel moment la collecte commencera-t-elle dans Côte-des-Neiges et quelle zone sera desservie en premier? Y a-t-il un règlement permettant aux locataires de composter sur le terrain de l'immeuble où ils résident en attendant que la collecte municipale commence? Aussi, à quand la collecte dans tous les immeubles municipaux? Question de montrer l'exemple. Merci. OK. Alors, la réponse est que c'est centre-ville qui travaille là-dessus. Je pense que c'est le membre de l'administration, c'est Laurent Lavigne. Non, comment elle s'appelle? Laurent Lalande Lavigne. Est-ce que M. Asselineau ou Mme Popiano connaît le... Je pourrais répondre. Vous savez, Mme la mairesse, nous avons un plan de développement durable de l'arrondissement. Et puis, oui, dans le plan de développement durable, nous avons mis aussi comme priorité le compostage dans les 9 logements et plus. Mais la réponse, je ne l'ai pas. Je veux la transférer, bien sûr, à M. Plante. Ils sont plus au courant des services que nous. Mais... le plan global de la ville est de rendre le service de compost. D'ailleurs, je vous ai proposé à plusieurs reprises des projets pilotes, surtout dans les grandes infrastructures d'appartements comme les Rock Hill, où on pourrait mettre en place un projet pour tous les 5 bâtiments en même temps. Mais écoutez, il faut que l'arrondissement bouge. Oui. Monsieur Plante, avez-vous une réponse concernant le compostage? Est-ce qu'on peut... Si vous permettez, Madame Montgomery. Monsieur Boutin pourrait répondre à la question. J'ai un peu d'informations. Dans le fond, on devrait commencer en 2021 et ça va se faire de façon progressive, la même façon dont on l'a fait quand on l'a installé pour les 8 logements et moins.
Donc, on va commencer par probablement le district Loyola, après NDG, je crois Côte des Neiges et Darlington. Je pense qu'il y a un district par année ou un secteur par année qui va s'ajouter, un peu comme nous avons fait précédemment avec les 8 logements et moins. OK, merci beaucoup. Alors, vous avez dit 2021, c'est ça? L'an prochain, parce que les contrats, le nouveau contrat va débuter l'an prochain pour la collecte qui se fait par le privé. Donc, ça va être fait de façon, ça va être coordonné avec ce contrat-là. OK, excellent. Alors, prochaine, c'est Irina Komenko. Dear Ms. Mayor, Mr. Rotan, please kindly update the community of Le Triangle when the work to complete the Park Triangle will be continued and what is more important, when they will be finished. Thank you very much. Well, I'm just as anxious as you to get that work done in the Triangle. The work was put on hold during COVID, but now construction is starting again. And so I'll ask Mr. Rotan, because it is in his district, if he has news on that. Yes, thank you. This question actually came up at our special meeting on April 20th. My understanding is there's three elements. Number one, the new park at Buchan and Victoria. Work is supposed to start there again next week, and I'll ask Mr. Plant to confirm that, with the park or green space being open to the public as of this summer. The chalet, because of a problem with a supplier in providing the specialized glass, won't be open till the autumn. The second aspect is the green walkway between buildings that will connect the triangle to the Namur Metro Station. The contract has been voted by the Borough Council and work will begin soon, but it's not slated to be open till November. And finally, the City Council has acquired the building of 5010 Pare. My understanding is it will be demolished sometime this summer and grassed over as a green space available to the public. But I'd appreciate if Mr. Plant can just confirm that the work that's been promised to start again next week at the new park in the Triangle will actually begin as scheduled. Monsieur Plant, avez-vous l'information? Oui, well, as you know, je peux répondre en français. Oui, l'ensemble des travaux qui sont sous la responsabilité de l'arrondissement devraient reprendre au cours des prochaines semaines, je vous dirais. Alors, ça va reprendre graduellement. Je ne peux pas vous dire si les travaux vont reprendre exactement la semaine prochaine, mais oui, ça va reprendre dans le parc du Triangle, dans le parc de la Savane également, également dans le corridor là, qui mène de la rue Buchan à la rue Jean-Talon. Maintenant, en ce qui était au 50 rue Paré, tous les retards qui se sont accumulés au cours des dernières semaines font en sorte qu'on ne pourra probablement pas démolir le bâtiment aussi rapidement. Il y a quand même des consultations à faire. On doit quand même présenter un projet de remplacement. On doit aller au comité de démolition. Donc, lorsque les activités vont reprendre plus normalement, on va devoir recommencer ce processus-là. Alors, je ne crois pas qu'on va pouvoir démolir cet été, mais c'est sûr qu'on va travailler très fort pour le faire le plus rapidement possible, démolir le bâtiment du 50 rue Paré et par la suite, de manière temporaire, faire un aménagement pour qu'il puisse être utilisé encore de manière temporaire par les citoyens du secteur. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, il nous reste assez de temps. Oui, 6 minutes. Sharon Nelson. Oui. Étant donné le nombre élevé de COVID-19 à Montréal et dans l'arrondissement, en outre d'établissements de santé, de résidences pour personnes âgées, d'un nombre élevé de professionnels de la santé, dont beaucoup sont des résidents noirs et asiatiques de l'arrondissement, et de la densité de population dans l'arrondissement, le Conseil est-il prêt à investir dans 2 unités de tests mobiles COVID-19 pour améliorer l'accès aux résidents à des tests et d'identifier davantage les cas comme cela a été fait à Montréal-Nord et à Saint-Michel?
Il serait prudent d'en avoir un pour Côte-des-Neiges et un autre pour Notre-Dame-de-Grâce. Merci beaucoup, Mme Nelson, pour cette question. Le dépistage, c'est fait par la province et le département de santé. Par contre, on a eu un centre de dépistage au Cavendish Mall. Et je pense qu'il y avait un autre à l'hôpital juif, si je m'abuse. Oui. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas nous qui prend les décisions pour le dépistage, c'est la province. Et, Monsieur Plante? Est-ce que je peux intervenir aussi? Oui, OK. Monsieur Popian, Madame Popian, excusez-moi. Donc, merci, Madame Nelson, pour la suggestion et votre préoccupation envers la santé et sécurité des résidents de notre arrondissement. Pour ce qui est des unités de tests mobiles, elles relèvent effectivement de la santé publique et pas des arrondissements. D'ailleurs, aujourd'hui, la directrice régionale de la santé publique a annoncé qu'elle mettrait sur pied des cliniques de dépistage mobiles dans des autobus en partenariat avec la STM. Donc, les secteurs les plus chauds de la ville seront desservis en priorité. Et à ce stade, la direction régionale de la santé publique travaille toujours à la coordination de ce projet. Donc, nous devrions connaître rapidement les horaires et les secteurs qui seront desservis par ces unités mobiles en autobus. Et on a grand espoir que Côte-des-Neiges-Indigie va aussi être desservie. En tout cas, ce n'est pas l'arrondissement qui pourrait investir dans ce type d'unité de test mobile. Oui. Mais merci pour votre préoccupation. Et puis, elle est extrêmement importante et nous sommes très sensibles. Nous savons qu'il y a des problèmes dans notre arrondissement. Monsieur Plante? Oh, excusez-moi. Oui, Monsieur Plante, oui. Si vous permettez, on a eu de l'information ce soir à ce sujet-là. Je sais que Mme Gaudreau pourrait peut-être nous en donner un petit peu plus. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, c'est une information toute fraîche que nous avons reçue à 18h41. En fait, le comité de coordination des mesures d'urgence nous a demandé s'il serait possible d'installer des unités mobiles pour des tests dans l'arrondissement. En fait, ils évaluent trois adresses, le Centre sportif Côte-des-Neiges, l'Arena Bildernan ou encore le pavillon Martin Luther King. OK. Et savez-vous quand ils veulent le faire ou… Non, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations. C'était la première demande que nous avons reçue, mais dès que nous avons plus d'informations, bien entendu, je vais vous les transmettre. OK. Et le troisième, excusez-moi, c'est Bill Durham et… Pavillon Martin Luther King. Ah, OK. Sue? Oui? Je vois que Mme Nelson est avec l'Association Jamaïque de Montréal, dont la requête vient d'un groupe qui est connu dans… d'arrondissement. Je pense même que nous ne sommes pas la solution. On doit assurer que la demande est partagée avec Santé publique pour qu'ils répondent. L'information de Mme Gaudreau est très intéressante, très pertinente, mais j'aimerais que formellement on envoie cette question à nos partenaires dans Santé publique. OK, merci. OK, il nous reste 2 minutes et 2 questions. Alors, on va revenir à 18. Eli Israel. Councillor Rotron, please provide answers. Yesterday, by chance, I learned from your Facebook page that the SPBM is holding an online information session on Tuesday. This info session is not advertised anywhere other than on the police department website. I spoke with interested friends in Hampstead, Côte-Saint-Luc, and Côte-des-Neiges-Indigie, and they knew nothing about this info session. It gives the appearance that the SPBM are not establishing a dialogue to respond to community needs. Will you be the voice to champion the borough holding its own consultation to explain the closure of Police Station 11 and the merging of Stations 9 and 11? The community is clearly opposed to the closing and merger. Lastly, the info session document makes no mention of a substation idea as reported in the April 22nd edition of the Suburban.
this should definitely be in the discussion. The above mentioned meeting can be held either in person if permitted by the health situation or via interactive technology like Zoom. I'll just answer Mr. Israel. Ellie. Okay, I thought it was Eli. Ellie, excuse me. Like we've said earlier in the evening, we, Mr. Rotron, Mr. Perez, and myself are against this merger. It's coming, from downtown, and we have not seen the data. And, we continue to maintain we should have a public consultation, not an information session, and something that should be better advertised. And of course, we can't have it in person right now because of the health situation. Mr. Rocha? Thank you. You're quite right. I put it on my Facebook, and I did that because I got an astounding email from the member of the executive committee admitting that it hasn't been advertised anywhere and suggesting the local elected officials, not only members of our council, but the members of the councils of Côte Saint-Luc, Hampstead, and Montreal West, were better placed to get the public to know this. Look, I know Sue Montgomery put it on her Facebook. I don't know if the others did. I presume Mr. McQueen and Mr. Arsenault would have done so. If they didn't, I would question why they didn't. But despite this, only a small percentage of the total population of this area knows about this meeting. There are, between NDG and the population of the three suburbs, 110,000 people. If even 2% of them know about this meeting, or 3%, I'd be surprised. We've done our best, and there'll probably be 20, 30, 40, maybe 50, maybe even more people on the call, but it doesn't substitute for, a real information session where people can get all the data and have their say. In terms of your idea, I find it interesting. Let's go with tomorrow and see how that plays out. If there really is interest in the community about the borough doing something, I'll discuss it with the colleagues with a view of us holding a consultation or more dialogue. If people feel it's inadequate, why not give them another forum? Dialogue's good, and maybe we can come up with some convincing proofs that can be accepted and can be part of the final decision-making process. So I thank you for that, and I will try to get back to you after tomorrow night. Thank you. I'd like to just say something here quick. I did put it on my Facebook in both French and English. Okay. I just want to, we have one question left, so I just propose that we prolong the time for 5 minutes. I second that. Okay. Adopted. It's from Tanya Eichhoff. My question is for Peter McQueen. As a long-term resident of NDG, I'm very unhappy with the decision to close Station 11 without a public consultation. My question for you today is, do you have any data which proves that moving away from the historically effective community policing model will improve crime rates? In Calgary, for instance, the closure of the downtown police station resulted in higher crime rates. Public violence is up 35% and break and enter is up 55%. So I'll pass this over to Mr. McQueen. Yes, thank you very much for the question, Mrs. Eichhoff. I share your concerns. I think it's a good question. I can't say that I'm an expert on either community policing or especially on Calgary. I did not study the situation there. But I will tell you, I am very concerned about crime rates in NDG and always have been. I've been concerned about crime rates below Sherbrooke and down in St. Raymond for a long time. We need patrol cars on the street. You heard recently about a spate of people stealing mufflers off of cars near the Maisonneuve. That was a few months ago. That's, to catch people doing that, we need officers on the street. When I was briefed by the police brass on the reasons for this closure, the reason was that they will be able to get a few more cars on the street because of the closure, because of the people that will be taking off the desks. And those people will be looking for crime in high crime areas, in areas that are more, that can be more marginal. So I'm very concerned about this. If you want a more thorough answer, a more expert answer, please bring your question to, I hope you sent it in, and will be heard tomorrow and answered by the police brass. Thank you.
Yes, I encourage everyone to participate in tomorrow night's information session. So that brings to end the question. And now on passe maintenant à 10.06, période de questions des membres du conseil. J'aurais une question, Madame Mérès. OK, Monsieur Perret. Oui, c'est pour Monsieur Plante, pour nos services. C'est en lien avec les jardins communautaires. Donc, nous savons que la ville a annoncé qu'on va aller de l'avant. J'imagine qu'il y aura un protocole qui va être mis en place pour justement s'assurer que la distanciation physique sera respectée. Je pense, de façon générale, c'est assez simple. On va compter sur la collaboration, le gros bon sens de tous les usagers. Mais je sais que quand même, il y a une prépondérance d'une certaine clientèle plus aînée, plus âgée. Pas exclusivement, mais quand même une certaine prépondérance. Alors donc, évidemment, ça apporte une préoccupation de plus. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclaircir un peu là-dessus, sur quelles seront les règles ou le protocole pour s'assurer que un cas d'espèce ou deux voisins qui veulent venir en même temps, est-ce qu'il y a une réflexion sur cet enjeu-là, s'il vous plaît? Je sais qu'il y a eu que Mme Gaudreau a travaillé sur des comités à la Ville-Centre. Je ne sais pas, Mme Gaudreau, s'il y a des réponses à des cas très, très précis comme celui-là. Peut-être que Sonia pourrait nous répondre. Oui, si j'ai bien compris votre question, M. Perez, c'est effectivement à l'égard spécifiquement d'un jardinier de 70 ans ou plus qui se présenterait? Ben, je veux dire, c'était un exemple. Je m'attends pas nécessairement à une réponse ce soir là-dessus, mais c'est rien que quel est le protocole de façon générale qu'on va développer et est-ce que ce genre de scénario a été envisagé? Si oui, si vous pouvez nous revenir avec une réponse. Oui, alors effectivement, il y aura des règles précises en ce qui a trait à la distanciation. Il y aura un surveillant à l'entrée des jardins pour justement renseigner les gens, poser les questions d'usage sur justement les règles de prudence. Et puis, évidemment, on apportera quand même une attention particulière aux personnes qui nécessitent d'être accompagnées pour des questions de mobilité, vraiment dans le but de protéger la santé des jardiniers, des bénévoles et évidemment des employés. La signalisation devrait être installée, je vous dirais, vers la fin de la semaine prochaine. Parfait. Merci pour les précisions. Monsieur Vautrin? Okay. My question is to you, and it deals with something you said earlier tonight, which I thought was the right tone, actually. It was the right thing. How do we prevent sending mixed messages to our citizens? I was astounded this weekend to see a tweet by Mayor Valerie Plante, basically, come on down, inviting everyone to come walk in the streets of the plateau because they have health corridors. Basically, you know, we're already seeing photos on social media of large crowds in parks with people not social distancing, and the city seeming to suggest it's over. It's far from over. You know, with what we heard today, that the curve is not flattened in Montreal, and Dr. Arruda saying the numbers are way worse than we thought it was going to be, and the government grudgingly pushing back opening of stores and businesses in Montreal for another week beyond what it initially had said, and with schools supposedly to start soon, I think, you know, we're giving the population a view that, well, you don't have to be as careful as you were before. And for the city of Montreal to invite people into our streets on a regular basis, try to facilitate that and to open up, you know, more and more gardens and parks and things like this, despite the best intentions in the world, it sends the wrong messages. So my question to you is, how are you going to ensure that the city of Montreal, the central level, isn't sending messages to our citizens which go counter to your message that we need to be prudent, people should stay home except for essential services, essential shopping, and even then, one member of the family wearing gloves, etc.? Your question's to me?
Yeah, no, I agree. I think it's a very fine balance. And like everybody else, I'm trying to understand or to figure out how we come out of this. You know, we've never been in this situation before, that we've got this virus that seems to keep changing and, you know, different symptoms are coming out, like the fingers and the toes, and then next thing you know, it is affecting young people. So, I mean, I was shocked on the weekend too to see how many people were out. But at the same time, people are going crazy. You know, they're locked up in their houses, not locked up, but they're in their homes. They're, like I said, it's the end of winter and it's spring and we all want to get out and you know, get some fresh air and look at the flowers and go for a walk. But I think those things can be done carefully by sending the message that we all have to assume that we carry it, that we have it, whether we have symptoms or not. So, you know, some people may think, oh, I don't care if I get it, but the danger is you could spread it to someone else. So you have to think about that. And my sister's an epidemiologist and we were discussing it and she was saying, like, you know, like they're doing down in New Brunswick, sort of widening your bubble where you say two families can get together that have been isolating. And, you know, eventually you can, because you're getting sick of hanging out with the same people, maybe we'll be able to get together in smaller groups with people who have isolated and who know that they haven't come in contact with it. But it just seems to me that we all have to pretend we have it. And when you go to the store, you just go in, you come out. I don't know about you. I don't find shopping very enjoyable anymore. I find it very stressful. You just want to go get your food and leave. And, you know, if you touch something that you didn't mean to touch, or you're out of practice, you end up buying stuff that you didn't actually want, but because you touched it, you got to take it. So, you know, it's a whole adapting, and I don't know what the answer is. I really don't. I really think the city of Montreal should have pushed back. It shouldn't have been Dr. Ruta to finally say to the premier, you're premature, and he pushed it back a week. City of Montreal should have taken the leadership, but we're way too optimistic. Look, I heard Mr. Perez's intervention. Actually, it was coincidental. I made the same intervention same day for making it mandatory to wear masks on public transit. The mayor of Montreal, oh, I recommend it, but I won't make it mandatory. And it's the same thing with a lot of other measures. We're just too rosy. I think your tone is correct and I'll support you on it. And I think our message in our borough to our citizens is remain vigilant and remain prudent. Mm-hmm. I don't want to go farther than that this evening, but I think we have a role to play when the city isn't doing enough to really, you know, defend the interests of citizens when the government might be much too rosy in its view about what to do in Montreal. But it is a fine balance, you know, because I know all these elderly people and some of them Holocaust survivors that hid in attics during the war. And now here they are in another room where they're not allowed to go out, but they're in their 90s. And they're like, I don't want to live like this. You know, I've only maybe got a year or two left. And so what if I die of COVID? You know what I mean? So what do you say to them? Because they're just losing their lives by being locked in their rooms. It's tragic. So anyway, I think eventually, you know, all of us are going to be exposed to it. You know, I don't know if there's a way around that. Any other questions or commentaires, questions? No? Okay. On passe maintenant à 10.07, correspondance. Je pense que M. Rotran a eu quelque chose, non? Oui, oui, j'ai déposé la lettre que j'ai envoyée à Mme Pelletot. J'ai envoyé une copie à Mme Reeves. C'est la même lettre que toutes les élus ont vue, que j'ai envoyée jeudi dernier, et tout le monde est copié sur cette lettre, mais ça devient public maintenant. Je le dépose. Excuse-moi, 20.0.1. Oui.
accepter l'offre de service de la Ville-Centre et mandater la direction du service de la culture pour octroyer un contrat de service professionnel à la vitrine culturelle concernant des services de billetterie offerts en 2020 à 11 lieux de diffusion du réseau Accès Culture, dont la Maison de la culture Côte-des-Neiges, Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce et le Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce. Vous êtes sur mute. OK, Magda propose. Oui. Je vais lire les noms, ça va? Si je lis les noms, ça va? OK. So, Christian Appy est adopté. 20.02. Approuver le projet de convention par lequel l'arrondissement pour l'année 2020 verse une contribution financière de 60 000 $ à la SDC Expérience Côte-des-Neiges et approuver le versement de cette somme. Je propose. Je propose. Non, je propose. Je propose. Je propose. Est-ce que je peux suggérer une solution? Est-ce que Magda et Lionel peuvent être proposeurs, oui, être appuyeurs dans ces cas? Mais je ne comprends pas c'est où le problème. Je propose. Okay. J'ai le droit de proposer. Absolument, Magda. Il n'y a personne qui peut m'imposer que je ne peux pas proposer une résolution qui me tient à cœur. J'essaie de faire de la petite politique. Absolument, voilà. Si vous voulez agir comme ça avec une manque de classe, il n'y a pas de problème, madame. Merci. Merci, je vais appuyer, madame, madame la mairesse. Je vais appuyer. Alors. Mais dorénavant, je pense qu'il faudra avoir une discussion si ça vaut la peine de faire des efforts en amont. Okay. Mais je les ai fait les efforts en amont, sauf que la chef de cabinet de Madame la mairesse, même si M. Rotrin a suggéré par écrit à la chef de cabinet, elle n'a rien voulu, elle n'a pas voulu changer. Donc, on a fait toutes les démarches. Donc, bon. Je propose. Alors, Madame, Maître Ré, c'est M. Popiano et M. Perez qui proposent et M. Rotrin appuie. J'aurais une question, Madame la mairesse. Okay. J'aurais une question, Madame la mairesse. Oui. Alors, évidemment, c'est une très bonne nouvelle que tout le monde appuie. Oui. Nous comprenons, évidemment, avec les circonstances avec lesquelles tous les commerçants à travers la planète font face à des défis particuliers. C'est une aide supplémentaire qu'on vient d'apporter à la SDC de Côte-des-Neiges. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut envisager, avoir une réflexion à voir si on pourrait peut-être diminuer des frais annuels des commerçants, justement cette somme de 60 000 $. Je sais qu'il y a des enjeux réglementaires, donc on n'aura pas de réponse aujourd'hui, c'est peut-être, mais je pense que c'est une réflexion sur laquelle on devrait envisager pour pouvoir justement diminuer l'impact encore plus auprès des commerçants. Donc, je lance l'idée. Peut-être les services peuvent y prendre note et nous revenir là-dessus. Je vois M. Plante qui a… Avant d'avoir la réponse, est-ce que je peux intervenir moi aussi? Oui, M. Rotrin, après M. Rotrin. Mme Montgomery, premièrement, je dois reconnaître que Mme Popiano travaille très étroitement avec le SDC à toujours soutenir cet organisme, à inviter les marchands de travailler ensemble pour faire la promotion de leur artère commerciale. Je dois être reconnaissant pourquoi j'ai envoyé la courriel aujourd'hui. Actuellement, je pense, peut-être Magda peut me corriger si je me trompe, que la frontière nord de la FDC est chemin Côte-Sainte-Catherine. Donc, effectivement, ils sont 100% dans votre district. Mais je reconnais toujours que M. Perez a appuyé la démarche dès le début aussi. J'aimerais soulever le fait que ces crises de COVID-19 font un nouveau défi pour nos marchands. Les gens ne sont pas dans les magasins, ils sont à la maison. Il y a beaucoup de gens qui font d'achats en ligne et des couverts d'achats en ligne. Vous avez mentionné, Mme Montgomery, les gens qui vont au supermarché, ils touchent quelque chose, ils ne doivent pas le faire, ils doivent l'acheter. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas allé au supermarché depuis un certain temps. Je fais mon magasinage en ligne actuellement. Et après que la crise commence à diminuer, je pense qu'on vit des changements majeurs dans notre société. Vous avez mentionné ce soir le télétravail. Oui, ça va
être une réalité. Le magasinage en ligne, ça va être une priorité. C'est indiqué qu'on doit plus que jamais soutenir nos marchands. Le geste, et ce n'est pas seulement STC Côte-Neige, c'est également la création de BizNDG, semble intéressant parce que les marchands vont se regrouper pour faire la promotion et de trouver des nouvelles façons de faire. If commercial streets are going to continue to exist, and they don't exist in a lot of cities in North America, Montreal, unusual in that regard, they're going to have to figure out how to do business differently and offer products that it's for people who want to come there rather than buy online. So I think we're going to have an obligation to invest more money in our merchants. And I think we're also going to have an obligation to assure that we don't open up what we want to do as a municipality too quickly and cause any problems on our commercial streets. I read somewhere that 1 out of 3 stores is likely to go broke in the next months, and we're going to have a lot of vacancies. We're going to have to work with our streets to try to find a way to palliate that. Our means are limited, but I think we're going to have to do so. Donc, je félicite ces démarches sur l'ordre du jour et j'invite les élus locaux de continuer de travailler avec les marchands dans leur secteur qui veut travailler. Je termine disant que nous avons maintenant un commissaire économique qui apporte beaucoup de connaissances et compétences et effectivement a déjà commencé des dialogues avec les marchands partout pour les convaincre de le fait que regrouper est dans leur intérêt. Et ce doit être le message conjoint de toutes nous autres, soit pour Sherbrooke, soit pour Summerlin, soit pour Queen Mary, soit pour ailleurs dans l'arrondissement. Merci. Madame Poupillon. Merci, Madame la mairesse. Donc, effectivement, c'est... je tiens beaucoup à cœur la SDC de Côte-des-Neiges. C'est l'âme, c'est le cœur du village, de l'ancien village. Et puis les commerçants, mais aussi les professionnels, parce qu'ils ne sont pas que des commerçants, ils sont aussi des dentistes, des médecins. C'est tout le cœur de Côte-des-Neiges. Donc l'importance de la SDC, je l'ai mis en évidence à plusieurs reprises. Merci, M. Rotran, de m'appuyer. Je me rappelle quand je faisais la bataille lors du dernier mandat, il y avait beaucoup de sceptiques qui disaient ben, « Regardez, la SDC sur Sherbrooke, elle a duré 1 an et puis c'était fermé. » Ben voilà, ils ont continué. Puis on va continuer de le soutenir parce que c'est effectivement important de les soutenir, surtout dans les conditions actuelles. Et vous l'avez bien mentionné. L'argent qu'on donne aujourd'hui en réalité sert à 2 choses principales. Les aider à payer le loyer parce qu'il faut qu'ils aient un bureau et aussi payer des temporaires, des personnes, des contrats. Il y a tellement d'enjeux. Tout le monde dit, mais comment on va circuler dans le magasin? Ben voilà, hein, on va chercher l'expertise de comment aménager un lieu d'affaires pour pouvoir circuler, comment on va pouvoir ne pas toucher et combien de personnes on a besoin pour assurer la santé. Donc, l'aide qu'on offre aujourd'hui, elle est très importante dans le contexte général du commerce sur Côte-des-Neiges, mais aussi dans les conditions particulières de l'épidémie. Et puis, je suis très contente et j'espère avoir l'accord de tout le monde qui le soutient. OK. Alors, adopté. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir la réponse à ma question. Oh. Monsieur Plante avait indiqué qu'il avait un élément de réponse. OK, excusez-moi. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment que j'ai un élément de réponse. Je voulais juste être bien sûr, là, vous parlez bien du point 2002, n'est-ce pas? OK, bien, 2002, c'est le 60 000 $ qu'on accorde à la SDC à tous les ans. Plus tard, il y aura également un autre sommet, parce que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une confusion. Alors, parfait. Plus tard, il y aura un autre sommaire. Ça, c'est le 60 000 $ qu'on donne à chaque année. Okay. Parfait, merci. OK. Alors, 20.03. Autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 6 400 $ au regroupement des écoquartiers pour la patrouille verte 2020. Appuyé par M. Rotran. OK. Et appuyé par M. Rotran. 20.04. Adopté, excusez-moi, 20.04. Autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 1 100 $ à l'organisme Association de la Journée culturelle de l'île aux épices du Québec.
proposé par M. Gautran et appuyé par M. Asselineau et adopté. 20.05. Autoriser le versement d'une contribution financière de 13 222 $13 à Miel Montréal, coopérative de solidarité, pour la réalisation du projet temporaire d'agriculture urbaine sur le site de l'ancien hippodrome, période du 4 mai au 31 décembre 2020. Proposé par M. Rochand et appuyé par moi-même. Adopté. Madame la maire, j'avais une intervention. Oui, je l'ai dit. Parfait. Oui. C'était rien qu'une question pour ce service, pour cette entente, mais également pour d'autres ententes. On avait reçu la semaine passée du service juridique de la Ville de Montréal des clauses potentielles qu'on pourrait rajouter dans certaines de nos ententes, tout simplement à cause de la COVID-19. Alors, j'aurais une question générale pour Monsieur Plante là-dessus. Dans quel contexte est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas inclure ces clauses additionnelles? Je sais que pour la plupart, il y a quand même déjà des clauses qui sont incluses. Et deuxième question, c'est spécifiquement pour ce projet qui est fort intéressant. Évidemment, on veut l'encourager, mais je me demande si avec l'échéancier qui était prévu dans la présentation, il va être retardé. Si il y a toujours grand espoir à ce qu'il aille de l'avant. Merci. Vous me parlez bien du 20.5, c'est ça? Exact. OK. Écoutez, dans ce cas-là, il faut comprendre que c'est... on ne parle pas nécessairement d'agriculture urbaine dans le même titre qu'on avait l'année passée, là. Alors, on est plus dans l'apiculture. Alors, dans ce cas-là, on est beaucoup moins dans les contraintes de distanciation et tout ça. Alors, c'est pas vraiment un enjeu. Alors, je comprends les clauses dont vous parlez, mais on parle vraiment d'un travail là, qui est très, très localisé, où il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont être en même temps sur le site de l'hippodrome. Donc, ça ne devrait pas être un enjeu, contrairement à ce qu'on avait comme activité l'année passée. Parfait, merci pour cette précision, M. Plante. Et ma question pour les clauses, ce n'était pas seulement pour cette entente-là, mais pour toutes les plusieurs qu'on s'apprête à adopter à cet égard. Mais, OK, alors, et votre question, c'est de savoir si on a utilisé ces clauses-là? Exactement. Est-ce qu'on a l'intention, parce qu'on n'a pas encore adopté les ententes, on pourrait les inclure suite au conseil du service juridique pour ensuite les envoyer aux partenaires pour nous assurer tout simplement que tout le monde est protégé à cet égard? Ben, écoutez, moi, je vois pas de problème. On va travailler avec les gens du greffe, avec Maître Reeves là-dessus, et je pense qu'on va être en mesure de le faire sans problème. Merci. Okay. Alors, adopté, 20.06. Oui, mais puis pour revenir à la question de M. Pérez, les clauses du service des affaires juridiques ont été transmises là, à l'ensemble des fonctionnaires qui travaillaient sur des conventions. Donc, en principe, quand c'était nécessaire, ces clauses-là ont dû être utilisées. Mais on va quand même vérifier. Parce qu'on a reçu ces clauses-là seulement le mercredi, Maître Reeves, et la plupart des dossiers avaient déjà été ficelés. Alors, ma préoccupation, ce n'était pas nécessairement pour ceux dans les prochains conseils, mais pour ce conseil. Donc, comme a dit M. Plante, je pense qu'il y a une intention au fait que si on doit les inclure, on pourrait les inclure dans les ententes actuelles. Merci. Parfait, c'est noté. 20.06, autoriser le versement d'une contribution financière de 26 455 $ à la Société de verdissement du Montréal métropolitain pour la réalisation d'un projet temporaire d'agriculture urbaine sur le site de l'ancien hippodrome pour la période du 4 mai au 31 décembre 2020. Proposé par M. Gautran et appuyé par M. Pérez. Adopté. 20.07. Oui, juste pour vous mentionner que cet objet-là a été un peu modifié, c'est-à-dire qu'il y a des précisions qui vont être apportées dans l'objet que je vais vous lire. OK.
Autoriser le versement d'une contribution financière de 17 200 $ à l'organisme Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et de 20 000 $ à la Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges et édicter pour cet organisme une ordonnance afin d'augmenter de 20 000 $ le maximum de contribution pouvant lui être accordé pour l'exercice financier 2020, passant ainsi de 60 000 à 80 000 $ conformément à l'article 7 du règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial. OK, je propose et M. Perez appuie. Et j'aimerais aussi appuyer, s'il vous plaît, Mme la maire. OK, M. McQueen. M. Vautrin, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, non. Now everybody is happy. You see, all it takes is $20,000 additional, and now everybody's happy. OK, adopté. 20.08. Résilier 5 contrats et conventions de services octroyés aux artistes et travailleurs culturels pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévues dans l'arrondissement durant la période du 12 mars au 20 juillet 2020 et qui ont été annulés en raison du COVID-19 et recommander au comité exécutif d'octroyer une aide financière à ces artistes pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats et conventions avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat pour un total de 12 700 $. Proposé par Mme Popiano et appuyé par M. McQueen. Adopté. 20.09. Accorder un contrat à Construction MCOM Inc. pour les travaux d'aménagement du parc de la Savane et autoriser une dépense à cette fin de 2 138 214 $ 50. Proposé par M. Rotran, appuyé par moi-même. Adopté. 20.10. Accorder à Location Gay le contrat pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour la plantation d'arbres et l'entretien des parcs et autoriser une dépense à cette fin de 124 021 $ et 23. Proposé par Mme Popiano, appuyé par M. McQueen. Adopté. 20.11. Autoriser une dépense de 35 971 $ et 55 et approuver le transfert de 179 166 $ et 12 sous du budget des incidences aux contingences afin de majorer le contrat du groupe Geyser Inc. de 215 000 $137 pour les travaux du Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce. Proposé par M. Arsenault et appuyé par M. McQueen. Adopté. 20.12. Accorder à Sanexen Services environnementaux le contrat portant sur les travaux de remplacement des entrées de services d'eau en plomb, de réfection de chaussées et de trottoirs et autoriser une dépense à cette fin de 5 904 809 et 87. Je propose et appuyé par M. McQueen. Adopté. Non, j'ai une question. Okay. Merci. J'ai une question pour M. Boutin qui est la même question pour ce dossier et le prochain. Les deux ensemble, c'est presque 12 millions de dollars des travaux. La ville propose de donner des contrats à la compagnie Sanexen pour effectivement changer les entrées d'eau entre le conduit de la ville et le conduit privé des propriétaires sur beaucoup des rues de la ville. J'aimerais savoir si ces travaux sont urgents ou est-ce que vous pensez que c'est seulement souhaitable. Je comprends que la ville a commencé un programme pour remplacer les entrées d'eau qui sont un peu plus âgées parce que plusieurs pourraient avoir de plomb et ça peut affecter la qualité d'eau. Heureusement, les rapports qui sont déposés régulièrement en conseil demandent que le danger ou le risque est très, très, très minime. On est loin de la situation de Flint, Michigan ou quelque chose comme ça. Mais la ville, dans l'abondance de prudence, a décidé d'investir massivement dans ce programme. La raison pour laquelle je pose la question est cette année, bon, on est pris avec COVID-19. On invite les gens à rester à la maison.
Et par contre, scarification des rues, un repavage qui est relativement rapide, ce programme, une fois qu'on commence, se pourrait fermer les rues pendant des mois et les trottoirs également. Il y a beaucoup de rues adjacentes qui sont incluses, surtout dans le district de Loyola. Donc, j'aimerais juste savoir, dans votre opinion, est-ce que ce travail est vraiment urgent ou est-ce que c'est un travail qui peut être rapporté pendant un an sans aucune incidence sur la santé et sécurité des résidents? Dans les faits, on est dans la même situation que les années passées. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, le danger, dans le fond, est présent parce qu'il y a un petit peu d'eau dans le plomb. Dépendamment des endroits, il peut en avoir un petit peu plus. Mais la ville s'est dotée d'un plan pour les remplacer d'ici 2030. Je crois, en premier, c'est 2026. Là, ils ont étendu à 2030. Et on est un des arrondissements qui participe le plus activement, dans le fond, à ce programme-là. Cette année, dans le fond, il y avait deux programmes. Tout est payé par la ville-centre. Hein, c'est la DRE qui paye. Pour répondre à votre question de façon précise, ça fait X années que c'est comme ça. Nous, on avait pris de l'avant parce que ça nous permettait de faire nos rues par la suite. Maintenant, il y a moins de sous pour faire les rues. Donc, on fait les entrées d'eau en plomb. Si vous décidez de retarder pour l'an prochain, dans le fond, ça ne sera pas pire que cette année-là. Ça va être la même situation pour les gens. Thank you, Mr. Boutin. I understand by your answer that really there's no danger to the public. When the city does this, we don't even know if every water entrance is actually lead or not, but we just replace them because they're older pipes. It's an expensive program. I've always questioned, except when there was actually testing to show that a particularly neat lead needs to be done. My concern is, in a normal year, I wouldn't say anything, but this year, that people may be stuck home all summer and they're going to have this on their street month after month with noise and dust, and people won't be able to get out. And a lot of sidewalks on their streets will be closed as well. Now, there's only a very little of this in my district, only part of Coolbrook between Côte Saint-Luc and Snowden and Globair, which is one block long, are being done. Almost all of it's in NDG. The NDG councillors are comfortable with this. I have nothing more to say, other than that you may get a lot of calls from people who question the decision to do so. So I'm just alerting the council. I asked the question, Mr. Boutin confirms there's no necessity actually to do this. I mean, we are getting it paid 100% by somebody else, but I will also point out the Ville-Centre bills the homeowners about $5,000 a house, which they pay back over 10 years, $500 additional, the tax bills. So if the NDG councillors are good with it, well, I have nothing more that I have to say, but I felt it was important to raise the possibility for the borough council to consider. Un élément supplémentaire, M. Rotran, si vous permettez, dans le fond, toutes les entrées qui seraient remplacées ont été dépistées. C'est parce qu'il y a une quantité qui dépasse, dans le fond, la limite. Alors, si la ligne de plomb n'existe pas ou elle est remplacée, puis est en cuivre, elle ne sera pas remplacée. Ce n'est pas fait systématiquement. On remplace les lignes sur les tronçons qui sont listés, dans le fond, où il y a du plomb. Merci pour la clarification, M. Boutin, mais quand même, le point était fait et votre réponse initiale était bien claire qu'effectivement, il n'y a aucun danger imminent pour les gens et c'est un choix qu'on peut facilement reporter. Mais je pense qu'effectivement, M. Arsenault et M. McQueen vont être les deux qui décide si l'inconvénient est trop grand pour le résident ou il pense que le bénéfice du résident vaut la peine de 3 ou 4 mois de travaux. Merci. D'autres personnes, non? Okay. Adopté. 20.13. Accordé à Sanexen Services environnementaux, le contrat portant sur les travaux de remplacement des entrées de services d'eau en plomb, de réfection de chaussées et de trottoirs, et autoriser une dépense à cette fin de 6 277 811,25. Je propose et appuyé par M. Arsenault. Oui, merci. Merci, Madame la mairesse.
J'ai finalement trouvé la liste des rues qui va peut-être intéresser mes concitoyens. But first, I wanted to respond to something that our colleague just said with regard to the urgency of the work. I find it a little odd, the comment, especially given that we're in the midst of a public health crisis, that it should be suggested for even a second that that we should slow down our public works that seek to correct another public health threat, which is lead in the water. Of course, we don't have the same levels as Flint. Heaven forbid we should get to that point. But this is an issue of a public health nature. The city has been slower than it would like to over the past several years in terms of the number of streets that we've redone, but that does not mean that we should be slowing up. In fact, I think we might have an opportunity to get some of this difficult work done when there are fewer people outside. It can be thought of either way, right? It can be thought of as, you know, disturbing people at home, or it could mean that we're creating less problems for circulation, vehicle circulation on the streets. So for me, I see this as work that solves a public health problem. Not one that we're very conscious of in our day-to-day. It's not one that every resident needs to deal with, because not every water entry is in lead. So it's not something that's on everyone's mind, but it is a public health concern. So on that note, I want to reassure some of the residents of, I'm not going to give all the stretches. So keep in mind, when I do say the street names, it's not the entire street, but stretches of Chester, Harley, Kensington, Madison, Walkley, Patricia, Montclair, Park Row. I'm not sure if that's east or west. I will double check. King Edward, Mariette, O'Brien, Westmore, and Connaught will be done this year. We have about 21 different blocks of street that will be done. It's a solid chunk of streets in Loyola, and I'm very much looking forward to having it done. Thank you, Madam Mayor. If you would permit, I don't want to contradict. Point d'ordre, Madame la mairesse, point d'ordre. Ce n'est pas des commentaires aller va-et-vient entre les élus. Okay. I wish to intervene on the subject. I don't want to contradict Mr. Arsenault. He is getting the bulk of this particular work. What I want to suggest is two things. One, in terms of public health investment, this is probably on the very low end of the scale for what's called a realistic health threat and bang for the buck. And it's easily put off to another year, especially in this exceptional year. Now, I accept that the councillor whose district gets the bulk of the work has more of a say than I do. Only 1%, maybe 2% of the total contracts are in my district. And, you know, I asked the question because I felt it was a fair question to clarify, and Mr. Boutin has clarified for us that isn't an immediate health risk. But there's a second problem, and that's we used to, in the old days, before Projet Montréal was elected, when we did this type of work, we also got Center City to pay for repaving those streets completely at their cost. They don't repave the streets anymore. So we're going to have 21 blocks in Loyola District that are going to look like hell after this work is done. They'll be patched. So that's a problem that needs to be worked on by the city administration. If it's going to have a program to tear up the streets and change the pipes, it needs a program to repave the streets. You shouldn't allow or let the people in the boroughs have to deal with the aftermath without a realistic long-term solution. And we don't have one. We just tear it up, we patch the holes, and we leave their street as a pretty ugly patchwork. And if you look at the streets that were done last year versus the ones that were done 3 years ago, you will note the difference in the quality of the pavement. Thanks. Okay, thank you very much. Adopté 30.01. Offrir au conseil municipal la prise en charge de la conception et de la réalisation des travaux ainsi que le financement pour le réaménagement géométrique de deux intersections munies de feux de circulation
appartenant au réseau artériel en vertu de l'article 85 de la Charte et annuler la résolution CA19-170055. Je propose. Et appuyé par M. Rotran. Adopté. 30.02. Offrir au conseil municipal de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de réaménagement réalisés dans le cadre du programme des rues piétonnes et partagées d'une portion de la rue Jean-Briand située entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue de Selles qui appartient au réseau artériel en vertu de l'article 85 de la Charte. Proposé par Mme Popiano et appuyé par moi-même. Adopté. 30.03. Offrir au conseil municipal la prise en charge de la conception, la coordination et la réalisation et le financement des travaux d'aménagement d'une baie de virage à gauche sur le boulevard Sainte-Anne de Bellevue au niveau de l'intersection 22-551 appartenant au réseau artériel en vertu de l'article 85 de la Charte. Proposé par M. Arsenault et appuyé par M. Perez. Adopté. 30.04. Madame Montgomery dépose les rapports faisant état de décisions prises par les fonctionnaires ou employés dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir, période du 1er au 31 mars 2020. Adopté. Excuse-moi. Alors, 40.05. Édicter une ordonnance relative à la mise en place d'un passage piéton à l'intersection de l'avenue Summerled et de l'avenue Saint-Ignatius. Proposé par M. Arsenault et appuyé par M. McQueen. Clairement appuyé par moi-même. OK. Adopté. 65.01. Motion pour reconnaître la gravité de la pandémie de la COVID-19 dans l'arrondissement et demandant aux membres du conseil de travailler ensemble avec le directeur de l'arrondissement et les fonctionnaires. Est-ce que je peux présenter la motion, Madame la mairesse? Oui. Merci. Donc, la motion fait suite en réalité à une série d'événements qu'on a vécu dans l'arrondissement. Et je vous rappelle que le 11 mars dernier, le conseil d'arrondissement a jugé que l'application des mesures recommandées par le contrôleur général ne constituait pas de l'insubordination et a renversé la première suspension du directeur d'arrondissement imposée par la mairesse sous Montgomery. Le 20 avril dernier, dans le cadre d'une séance extraordinaire, le conseil d'arrondissement a reconnu le leadership du directeur d'arrondissement dans sa gestion de la crise sanitaire causée par le COVID-19. Et il faut souligner que dans le contexte de cette crise, il est plus important que jamais que les élus et les fonctionnaires travaillent efficacement ensemble afin de servir les citoyens. Ils sont des êtres humains, hein, les fonctionnaires, ils ne sont pas des machines. Ils ont aussi des sentiments, ils ont aussi des détresses, ils ont aussi des espoirs et ils ont premièrement l'espoir que leur travail va être reconnu. Je considère très préoccupante l'atmosphère à l'arrondissement, très, très préoccupante. Moi, si j'étais employée de l'arrondissement, si j'étais directeur d'une division ou directeur, je ne sais pas si j'avais le cœur vraiment pour mettre le travail où il faut. Alors, la motion qu'on vous soumet souhaite premièrement reconnaître le travail de nos employés, le travail du directeur de l'arrondissement, et souhaite aussi inviter les élus et les fonctionnaires de travailler ensemble et de reconnaître ce travail, de reconnaître qu'on traverse des moments difficiles et que c'est seulement ensemble qu'on va pouvoir passer à travers afin que les résidents aient les services et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse fonctionner comme il faut. Donc, je veux vous lire les résolus.
Il est proposé par moi-même et appuyé par M. Rotrin, conseiller du district de Snowdon, que le conseil d'arrondissement reconnaisse l'excellent travail du directeur d'arrondissement dans la coordination de la réponse des services lors de cette crise sanitaire, que le conseil de l'arrondissement reconnaisse l'importance d'une étroite collaboration de tous les membres du conseil avec le directeur de l'arrondissement et les fonctionnaires afin d'assurer que les services essentiels soient fournis aux résidents durant cette crise sanitaire sans précédent. Et le troisième résolu, que le conseil de l'arrondissement invite tous ses membres pour assurer qu'ils travaillent ensemble avec le directeur de l'arrondissement et les fonctionnaires pour aider l'arrondissement à répondre à la pandémie de COVID-19. OK. Quelqu'un veut dire quelque chose? OK. Qui est pour? Y a-t-il une demande de vote? Oui. Non, pas de vote. OK. Adopté avec mon dissension. Alors, je lève la séance. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde.